Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rollip, 22e épisode de cette saison, peut-être le 105 ou 106e au total. J'espère que vous portez bien ce mardi soir. Je vous vois ici dans le chat, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Une belle semaine en attente avec pas mal d'émissions. Il y aura également Loop un peu plus tard dans la semaine. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est un épisode que je vous avais annoncé il y a déjà quelques semaines, nous avons une grande personne. Avant ça, vous savez qu'en début d'émission, j'aime bien vous dire... Voilà, les semaines suivantes, j'aurai un tel, un tel, XX viendra me voir, tout ça. Je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire que pour les prochaines semaines, il n'y a rien de prévu. <laughs> il n'y a tout simplement rien de prévu. Parce que la semaine prochaine, je prendrai une petite semaine de vacances, histoire de pouvoir redémarrer la machine et terminer la saison comme il se doit. Donc je suis totalement ouvert aux suggestions pour le calendrier que je ferai à partir d'avril. Donc c'est-à-dire donc dans 2 3 4 5 6 semaines. De même, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. D'accord Olive, c'est très souvent en live, à peu près 3 émissions sur 4 sont en live, une sur 4 est à peu près enregistrée, d'accord euh, Tout simplement parce que des fois ça peut convenir à l'invité de le faire en enregistrer Je préfère une émission enregistrée que de pas faire d'émission tout simplement. Et euh, il faut savoir qu'à partir de d'avril à peu près, je montrerai à Paris qu'une semaine sur deux, c'est-à-dire que quand je montrerai je ferai une émission en live et une en qui sera diffusé du coup la semaine d'après. Donc comme ça au moins je vous dis tout dès le début, il n'y a pas de est-ce que c'est live, pas live, nana. Et ben vous verrez quand je suis avec la tablette, c'est live. Quand je suis pas avec la tablette, ce n'est pas live. Voilà pour les détails. Euh, J'ai vu certains de vos noms, de vos suggestions, des noms très sympas, Villebrequin, It's the Road, bien d'autres. On verra tout ça et j'enverrai des petits messages. vous inquiétez pas, histoire d'organiser tout ça et de vous proposer comme d'habitude un calendrier d'invités aux petits oignons. Pour le reste, bah, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons un grand monsieur du YouTube qui a directement accepté de venir dès que je lui ai fait la proposition. Sans aucun chichi aujourd'hui, nous recevons Frédéric de la chaîne Joueurs du Grenier. Bonjour monsieur, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ouais, ça va super, super. Merci de me recevoir. Ah, très heureux, franchement. Comme j'ai dit, je te l'ai dit en off, je le redis en live. Le fait d'avoir accepté directement, ça m'a enlevé une belle épine dans le pied parce qu'il y en a certains, je te cache pas ah ouais que c'est un peu plus difficile de les ah, avoir. C'est quoi? Il dit non, puis oui, puis non. Euh... Bah oui, non, ou alors euh, organisation un peu euh, bancaire. Alors, cette date, oui, alors, non, deux jours avant, tu vois, donc ça te complique un petit peu la chose. Certains répondent pas ou mettent un peu de temps, tu vois de <laughs> courir après donc c'est très désagréable quand toi tu m'as dit oui dans la soirée j'ai fait c'est rafraîchissant. Après tu eu de la chance hein, parce que des fois ça m'arrive de, de laisser traîner un message et tu sais je fais le truc que font tous les gens euh, qui ont gros, un gros emploi du temps c'est je réponds mentalement. et je fais oui mais juste je réponds pas. Dans les faits t'as rien dit donc dans ton ouais. tête tu t'étais dit OK et tu as complètement oublié de donner la suite ouais. et ça se trouve le truc n'a plus lieu derrière tu vois. C'est ça. C'est ce que je me suis d'ailleurs parce que je, je suis revenu ton message que hier alors que ça faisait un alors, mois et demi. Moi très honnêtement, je pensais que c'était annulé parce que je l'ai dit d'ailleurs aux, aux autres et je me suis dit euh, j'aurais dit bah, je sais pas j'avais un truc le, le 15 j'avais noté uh, Zach en roue libre euh, le 15 sur mon calendrier et je vois qu'on est deux jours avant euh, aucune nouvelle donc peut-être c'est annulé donc euh... <laughs> franchement ça a été pas du tout je viens c'est l'exercice même de ce que tu viens de, de dire tu vois le fait que mentalement t'as répondu non c'est bien tenu <laughs> <laughs> c'est ça mentalement je m'étais dit bon ok c'est cool on a une date et quand j'avoue quand la veille j'avais vu que j'étais toujours pas revenu de te relancer j'étais j'espère que c'est bon pour ça j'ai envoyé un message en mode ouais alors du coup demain 18h quand tu m'as pas dit que c'était mort je fais yes <laughs> ça va tout va bien en ce moment tout roule ça va, ça va. Ben là, on vient de sortir notre euh, notre dernière vidéo, donc euh, c'est pile le moment où ça va. En fait, ça aurait été deux semaines plus tard, ça aurait été compliqué. La, la semaine d'avant, ça aurait été compliqué, mais là, ça va. Cette semaine, c'est bon. Post sortie d'une vidéo, en général, c'est les quelques jours un petit peu plus chill, un petit peu et ça. ça permet d'évacuer. C'est en fait en sortie de vidéo, on entre dans la phase de recherche de la vidéo suivante. Donc c'est le moment où on n'est pas encore en écriture, on n'est pas en tournage, on n'est pas en montage, on n'est pas en panique en mode il faut y vite, faut vite finir". Là, on est, ça va. On est en train de, de commencer à réfléchir. Enfin, on est en train de commencer à regarder les trucs dont on a besoin pour la prochaine vidéo en fait Ah là là, et on voit que celle-ci a marqué un incroyable Castlevania, on le voit dans le chat les gens sont très contents, ils ont l'air ils ont d'avoir apprécié je l'ai regardé en plus celle-ci, bah, euh, franchement très belle, le, le petit euh, lore au début sur les vampires, euh, les Carpates et tout ça m'a un petit peu euh, un petit peu inspiré alors euh, très content que ça aille bien pour toi en ce moment, donc ça veut dire que tu viens l'esprit libre et libéré, Zach en bien un petit classique comme d'habitude, comme à chaque début d'émission pour en savoir un petit peu plus sur toi, je vais me permettre de te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire alors, ben, je m'appelle Frédéric Molas, je suis né à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Euh, j'ai perdu l'accent au fur et à mesure, parce que c'est vrai que plein de gens <laughs> disent Ah, oh, mais il a perdu l'accent, c'est plus le même si, c'est un accent, ça se perd, voilà, il faut savoir. Euh, et puis ensuite, euh, les études que j'ai fait, j'ai fait un... Alors au lycée, j'ai fait un... Ça s'appelait STT à l'époque, d'accord. Je crois que maintenant ça s'appelle STMC, il me semble. STMG, STMG peut-être, d'accord. Ouais, ça. ça, donc, euh, sciences techniques tertiaires, options, actions et communications commerciales. Ok, c'est du STMG, c'est du STMG. Voilà. <laughs> euh, suite à ça, j'ai fait un BTS communication des entreprises, qui est un truc ronflant qui ne sert à rien. Enfin, vraiment. Je n'ai fait que des études qui ne servent à rien. Vraiment En fait, ouais, ouais, c'est euh, j'ai fait parce que final, finalement, euh, je suis j'ai atterri dans la vidéo parce qu'en fait j'ai commencé à monter des vidéos en dehors de mes études parce que je me suis amusé simplement ah ouais euh, en faisant un truc qui s'appelait des machinimas, c'est-à-dire quand tu montes des, euh, des vidéos sur des images de jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du montage en fait. Euh, mais sinon toutes les études que j'ai fait, euh, c'était du <laughs> c'est genre strat... En fait. Euh, le truc que j'ai fait, ça, ça sert à devenir stratège de communication. C'est vraiment le truc pour bosser dans la publicité, machin, etc. faire une agence du consulting. Ouais, du consulting. Je suis stratège. Tu sais, le truc, c'est que tu arrives, tu as 18 ans, tu de tes études, tu arrives dans une entreprise, tu fais Ouais, je suis stratège. Je te regarde, ils explosent de rire. Ça, donc, ça euh, sert à rien. Et après ça, j'ai fait un, une licence formation multimédia ou pareil euh, qui ne servait absolument à rien parce que c'était euh, en fait une euh, c'était en fait un truc pour les gens qui, qui voulaient faire du du code et de la programmation et moi je venais d'une section euh, genre un peu plus euh, bah, communication Pas marketing donc, euh, tout ça machin voilà. toi t'étais plus habilité à peut-être euh, vendre entre guillemets des choses ouais, voilà. des solutions des services donc y, vrai que 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 euh, faire du code quoi. quand on m'a quand on m'a dit bon alors euh, aujourd'hui on fait du C++ et du PHP j'étais en mode euh, non <laughs> on je bah... fais des machines, moi. <laughs> non, moi je fais pas ça. Non. Donc voilà, finalement, euh... après ça, bah, j'ai après ça, on a, on... Bah, en fait, en fait, c'est après, après tout ce bordel d'études qui n'a servi à rien, euh, j'ai rien foutu parce que euh, pendant... j'ai fait Warcraft pendant un an et demi. <laughs> c'est un job. Hein. C'est ouais, ouais. Warcraft, c'est un taf. Hein. Euh, effectivement, pendant un an et demi, j'ai fait rien d'autre à part jouer à des jeux vidéo. a rien foutre de ma vie. Euh, et puis un jour, ma mère a entendu à la radio. Euh... Une, euh, un truc qui parlait d'une formation euh, qui faisait de la vidéo et elle savait que j'aimais bien la vidéo. Donc elle m'a parlé d'une formation qui était payée par la région, c'est-à-dire que tu y, y allais et la région te, te, te donnait un petit salaire pour y aller. Petite subvention et tout, propre. C'est ça. Et du coup, euh, j'y vais, mais en, en attendant rien du tout. Vraiment, J'y vais en mode juste pour toucher les 400 balles par mois d'aide de, 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 à la région. Quoi. Donc euh, pff, voilà. Et c'est là-bas que je rencontre Seb. En fait, et ensuite euh, de fil en aiguille, euh, on est arrivé. Euh, C'est notre rencontre en fait avec Seb qui a fait qu'on qu est qu arrivé là où on en est aujourd'hui. En fait. Le hasard qui fait bien les choses en quelque sorte. C'est ça, le, le hasard. Parce la que... communication radio comme ça qui a permis euh, de débouler une tonne de choses derrière. il y a un univers où, où ma mère n'a pas allumé la radio ce jour-là et je suis jamais allé à cette formation et, et je ne sais pas ce que je fais. <laughs> T'as dit un truc marrant au début, tu as dit qu'un accent ça se perd. En l'inverse, ouais. est-ce que tu penses que ça peut se gagner Oui. Oui, mais en fait, je... toi, tu viens de Lyon, c'est ça Ouais, exact. Genre, je sais pas s'il y a un accent à Lyon, je crois pas, non Alors, apparemment, à Lyon, c'est des hauts un peu plus appuyés, genre sur le mot rose. Tu vois, apparemment, je dis. Enfin, pas moi, mais en fait, ceux qui ont l'accent lyonnais ou de ah, la oui. région lyonnaise ne disent pas rose de la même manière qu'ailleurs, tu vois. D'accord. Bah, je sais qu'un accent, ça se perd et ça se regagne très, très vite, en fait. Euh, par exemple, quand je, dans le... quand je retourne dans le sud pour les vacances à Noël ou quoi, euh, très vite, je suis entouré de gens qui ont, qui ont l'accent et très, très vite, l'accent, tu le reprends c'est comme ça, c'était l'accent. C'est un truc culturel l'accent, c'est une construction culturelle. Donc, euh, euh, ça, ça revient très, très vite aussi. Ouais, ce qu'ils disent dans le chat, l'accent de Marseille, ça se regagne vite, etc. Ouais. Moi, je pense que l'environnement, le cerveau qui s'y remet. Ouais, et tout, ça doit être assez marrant quand même. Tu, tu as parlé de, de Warcraft, etc. Au ouais. milieu de toutes ces études et de bah, ces compétences qui servent à rien, tu sais, il y en a, ils sont capables de dire, OK, dans ma vie d'après, ces quelques compétences d'études m'ont servi à faire, je sais pas, de la compta, du droit, ta 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 à un moment professionnellement. Toi, apparemment, ça a vraiment servi à rien. Euh, bon, je pense qu'il y a un truc qui a servi pendant cette période-là. Ah. Ah ça servit à rien bah ap, ap. ou pas grand chose. Ouais, Pas grand chose. Si on peut <laughs> permettre, tu vois, de. de... Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, voilà, après, bon, les, les études que j'ai fait, ça au moins, là, en fait, c'est ma rencontre avec Seb qui a fait que, voilà, derrière, ça. ça... Mais même la formation en elle-même n'était pas ouf. Mais bon, après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Les... Sinon, après, les, les gens qui, font... qui sont dans le centre de formation, euh, ils vont encore se euh, dire euh, que, je dis, que je dis de la merde sur eux. <laughs> ils vont mal le prendre. Ils vont dire, alors qu'à l'époque, on l'a financé. <laughs> bah ouais, mais en fait, le truc, c'est. Moi, je l'ai gardé un peu mauvaise, ma formation, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on était, euh, était la première année de formation. En fait, c'est-à-dire qu'on faisait une formation d'audiovisuel, il n'y avait personne avant nous. C'était la première année où il faisait ça. En fait. Et donc, quand on est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y a pas de... Il y avait les caméras, c'était des caméscopes avec des cassettes mini-DV, parce qu'à l'époque, il n'y avait, pas... avait pas du numérique encore. Et donc, on est vraiment arrivé en mode, il n'y avait rien. Ça, on est a... a... arrivé, on nous a dit, voilà votre salle de cours d'audiovisuel, de... De... de cinéma. Et c'est genre, c'était une... Une salle avec des tables, rien. Vous avez posé les bases de la chose. C'est vraiment, on n'a rien, on a tout construit de zéro. Et en même temps, en fait, euh, la qualité principale quand on veut bosser dans l'audiovisuel, c'est la débrouille. Donc, euh, c'est Antonone, un rouleau de gaffeur et des marteaux. Donc, euh, et quelque part, ça nous a servi. Parce que le fait de partir de rien, de vraiment du point zéro, où on n'a même pas de matos, on n'avait pas de pieds, on avait rien. C'est genre, en fait, la, 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 là où on a bossé, c'était une ancienne maternelle. Donc, tu avais encore les, les, oh les, les urinoirs à hauteur d'enfant. Il <laughs> <laughs> Donc, <laughs> Donc, <c 'est>... fallait, <laughs> fallait bien viser, quoi. Ouais. Et, et du coup, le fait de partir de rien, finalement, ça nous a appris à se débrouiller, en fait, euh, et, à, et à faire du système D. En fait. C'est intéressant, parce que c'est vrai que ce côté débrouille, tu en as... Allez, bon, pourcentage sorti des fesses, tu vois, mais il y en a 50% qui vont se noyer dedans parce ouais. qu'eux, ils ont pas, on les a pas guidés, ils ont pas de choses pour leur, leur indiquer la marche à suivre. Et à 50%, ça va stimuler leur créativité, tu vois. Combien de temps et donc, du coup, bah, derrière, ça te développe une qualité vraiment euh, assez grosse et qui et... va te servir dans plusieurs pans, tu vois. Ouais, ouais, et complètement. Et en vrai, euh, parce qu'une euh, anecdote, c'est que très souvent, on voit, je vois des, des gens qui ont fait genre l'ESRA ou des gros trucs audiovisuels euh, qui, qui vont sortir et, 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 et quand ils vont arriver dans un truc où il n'y a pas tout le matos qu'ils avaient, genre quand ils étaient en école, ils vont arriver et ils vont faire Non, attends, je ne peux pas filmer cet arbre, je n'ai pas mon 40 mm. Enfin, tu vois, et, et tu fais Non, mais on s'en fout, euh, démerde-toi. Enfin, tu vois, c'est. Et. et... Chez le, la débrouille, ça fait partie des qualités à avoir pour bosser dans l'audiovisuel. Donc au contraire, tu, tu te débrouilles, tu fais avec ce que tu as, hein, mmh, as, as. Total, pas... total. Suis carnage ici d'OTP, tu vois, qui produit la plupart mmh. des grosses émissions Twitch, tout ça machin. Et il disait plus ou prou ce que tu disais vis-à-vis -vis de ce côté un petit peu débrouille, apprendre sur le tas, avoir la curiosité aussi de te mêler dans l'audiovisuel, par exemple, tu es sais, sur une équipe ou un plateau ou un truc de ce que font les autres autour ouais. de toi, comme ça tu te rends compte aussi des différents enjeux. Donc euh, ça, ça, ça fait écho un peu à ce que ouais. tu dis, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, moi, pour ce que je voulais dire, au milieu de tout ça, donc de ces études, de cette débrouille, bon, après, je suppose que ça a commencé plus tôt, niveau jeu vidéo, ça a donné quoi niveau premier amour, première console? Début de la chose, quoi. Ah, jeux vidéo. Moi, j'ai commencé très jeune, en vrai, parce que jeux vidéo. Oh, euh, premier, la première. Ah ça remonte tellement loin c'est c'est euh, mon père quand j'étais euh, quand j'étais petit m'emmenait tous les week-ends en fait parce que mes parents sont, ont divorcé quand j'avais genre un an mmh. et euh, donc euh, m'emmenait tous les week-ends en fait il allait jouer au PMU et boire des coups <laughs> et il me filait il me filait euh, 30 francs euh, pour aller sur les bornes d'arcade en fait et euh, c'est comme ça que j'ai c'est là où j'ai vraiment joué mes premiers trucs de jeux vidéo c'était des bornes d'arcade dans un vieux PMU qui sentait la clope et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai j'ai découvert vraiment le jeu vidéo après euh, ma première console euh, c'est je crois que je l'ai eu vers 8 ans à peu près c'est pareil c'est mon père aussi qui en voyant que j'aimais bien les jeu vidéo m'a offert une Lynx Atari euh, du coup qui est une console portable couleur euh, qui est sortie pff, ça devait être en 91 je crois si je dis pas de bêtises. Euh, et que pour une première console que j'ai pété aussi, euh, puisque c'est, euh, je, je me souviens très bien que j'ai joué dans ma chambre sur mon lit, en fait, à un jeu qui s'appelait Rigard, jeu de plateforme. Et chaque fois que je perdais, je mettais un coup de genou sur ma console. Ouf, c'est pas... pas ouf, c'est pas ouf. <laughs> Jusqu'au moment où elle s'est pas rallumée euh, et que voilà. <laughs> Papa. Euh... Mauvaise qualité la console là, quand même, hein. pas ouf. Hein. Ah, j'avoue. Mais, euh, mais sinon, après, ouais, ben, pendant ce temps-là, je voyais, j'avais vu chez, chez des amis qu'ils avaient la, la NES et ils jouaient à, à Chip and Dale, à l'époque ou à Tortue Ninja sur NES. Euh, ou aussi, euh, j'avais des amis de, ma, de mes demi-sœurs qui avaient une Atari 2600 avec le jeu Astéroïde. Donc ça, ça remonte, c'est vieux quoi. C'est très vieux, mais ouais, j'ai jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo en fait j'ai toujours joué en fait c ce côté borne d'arcade ça aussi a été le début pour énormément de gens hein. ouais. euh, moi pareil dans les bornes d'arcade j'avais commencé bah, je, ça a pas été les premiers jeux tu vois mais des virtua tennis des ouais. euh, non c'était pas Gear solide mais les petits il y avait alors un petit duo qui démonter tout ce qu'il faisait en avançant au fur et à mesure, je sais plus comment ça s'appelait, mais certains Bubble, bubble non, non, certains vont dire que c'était un duo avec euh, un, une sorte de mini jeu de guerre où tu vois, tu avançais, tu avais des armes et tu dégommais des zombies, Metal Slug, bien sûr. Metal Slug, d'accord. Ouais. Ma description était assez, euh, pas ouf, mais <laughs> c'est Metal Slug, exactement. n'est pas vraiment des zombies, mais oui. Non, je suis plus de tête. Franchement, j'avoue, ça fait un paquet d'années que j'y avais pas joué. C'est assez drôle et de de, de voir que l'impact qu'a pu avoir du coup en quelque sorte ces petites euh, bornes d'arcade euh, pour des gens. Toi, derrière, quand tu as commencé euh, cette formation, et que tu as dû être un peu en débrouille, où tu rencontres Seb à l'époque, mmh. c'est comment, parce que tu nous dis que tu as fait des machinimas derrière, donc des montages faits à partir d'images de jeux vidéo, c'est comment que tous les deux vous êtes dit, tiens, ça, pas mal, on va en faire un petit peu, quoi bah, En fait, ça, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, c'est qu'on euh, avait un cours. Euh... En fait, on a, des fois, ça nous arrivait de fonctionner par duo, par trio, euh, mmh. on, on se mettait en groupe. Les projets de groupe, bon, ouais. ouais c'est ça, des projets de groupe. Et on avait un cours qui s'appelait un cours de sémiologie qui est donc un cours où on devait analyser... Enfin, euh, c'est un cours d'images. On te fait remater des vieux films, genre euh, le, le machin Potemkin, des, des vieux trucs, vraiment, des, des vieux films. C'est un peu de la branlette. Et euh, on avait un exercice où on devait, en fait, à partir d'images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, recréer une histoire. Euh, donc, en fait, savez euh, moi, on se retrouve dans le même groupe à l'époque. Euh, je, alors, on ne se connaissait pas spécialement, pas plus que ça en vrai. Et euh, là où tout le monde avait pris l'exercice super au sérieux, mais en faisant des, des, des trucs dramatiques, des gens... Oui, alors, je histoire d'un homme euh, qui qui divorce de sa femme machin mais, mais truc dramatique nous on a regardé nos images notamment mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça et on est parti dans un truc où on s'est dit vas-y on fait n'importe quoi et donc on a, on a on a créé une histoire qui s'appelait Jeanne et le castor qui était une histoire d'une meuf qui tombe amoureuse d'un chat pour pour se battre contre des castors et pour sauver une église qui est une forme de nibar enfin c'est N'importe quoi. Et en fait, on, on est parti, au moment de présenter ça au reste de la classe, on est parti en fou rire, en fait, mais vraiment parce que c'était de la merde ce qu'on qu était en train de faire. Et on, on et on, et on s'enfonçait dans le n'importe quoi en fait. Ce, ce sentiment de malaise quand t'as fait une préparation ouais. ou un rendu absolument merdique, ou entre t'as envie de t'enterrer et d'exploser de rire quoi. Ouais, mais en fait, c'est on l'avait pas fait sérieusement du tout. Hein. On était vraiment y aller en mode, mais c'est ce cours c'est de la merde, donc on va faire de la merde. Et donc <laughs> on y est vraiment allé en faisant n'importe quoi et, euh, et on était, on était explosé en fou rire devant la moitié de la classe, qui évidemment, parce que le fou rire c'est communicatif, sauf le prof qui nous regardait comme ça. <laughs> ouais, vraiment, parce que lui, c'était vraiment. Ils sont en train de se foutre de ma gueule, là. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'après, on a commencé à traîner ensemble quand on a vu qu'on avait euh, les mêmes délires, machin. Et après, on a fait quasiment tous les exercices ensemble pendant, le... pendant les deux ans de formation. Les, les prémices de quelque chose qui ça. aura lieu quelques en fait, années après, derrière. Ouais. <laughs> c'est assez drôle, parce que du coup, quand petite question, comme ça, quand as fini cette formation, t'es sorti à peu près à quel âge euh, C'était. Euh... fou. Alors, ah, je sais, ne saurais pas. Genre, en gros, en gros fait, je me mets Mon point de référence, c'est Warcraft. En ouais. fait, <laughs> En fait, ça... moi, je t'explique. En réalité, euh, fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais posté. Ah, bah, du coup, avais commencé, vous aviez commencé YouTube ouais. pardon, en 2009. Ouais. c'est ouais. euh, Donc, euh, tu es né en 82, ça faisait 27 ans. Et ouais, donc, du coup. Ans, les... Quand on a commencé, ouais. Tu as 26-27 ans et je me disais, si tu as fini la formation, imaginons aller à 22 ou 23, qu'est-ce qui s'est écoulé pendant ces quelques années entre le début de YouTube et la fin de la formation Alors, à, avant ça, on avait une. Euh, en fait, quand on est sorti de formation, euh, moi j'ai eu une, un long stage de 6 mois dans une office de tourisme où je ne foutais rien. C'était vraiment. J'avais un truc à faire. Il m'a dit, oui, tu fais. On, on m'avait filé 15 photos et on m'a dit, voilà, tu as 4 mois pour le faire. J'étais en mode, ok. Je donc, je l'ai fini en 20 minutes. Et puis après, je n'ai rien fait pendant 5 mois et 9 jours. <laughs> Euh, donc... T'allais quand même sur place Ah non, non, j'ai besoin de bosser chez moi, vous avez pas le matos ici. <laughs> Du coup j'ai rien foutu Dans Les 4 mois de vacances ah, royales euh, Non, non, mais ils comprenaient rien euh, De temps en temps j'ai retourné, j'avais foutu vraiment toutes les transitions d'Adobe 1 à La transition étoile, la transition cœur, la transition euh, volée Et ils, ils faisaient, ah, ouais, c'est génial, ça comment vous avez fait C'est exceptionnel C'est compliqué à expliquer <laughs> euh, Et bon... C'était bon voilà euh, et après ça en fait on avait euh, on s'était réuni avec quatre autres personnes euh, pour créer euh, une association euh, qui, est, qui existe encore. Et encore aujourd'hui, des fois, je reçois des appels pour cette association qui, existe, enfin, qui, ou, qui ne fonctionne plus. Mais on avait créé une association que je ne vais pas donner le nom parce que je n'ai pas envie que les gens retrouvent le numéro. Euh, mais euh, qui, qui faisait de la promotion du patrimoine, machin, etc. Et on a commencé à faire des films pour des mairies ou des choses comme ça. C'est oh, euh, stylé ça. On a fait des films institutionnels en fait. Alors, ce n'était pas très, très intéressant. C'était essentiellement, euh, euh, on allait dans des villages. Euh, dans des villages pour euh, filmer euh, la fête de l'artichaut ou des trucs qui se passent. Et ensuite, à la fin de l'année, on fait un petit film pour les vœux du maire, euh, ouais. en mode genre, ah, voilà ce qui s'est passé, euh, d'où vient la fameuse phrase carrefour culturel du sud de la France, le village, <laughs> le machin, est à la cro croisée de modernité et tradition. Enfin, bon, c'est du, du bullshit, mais vraiment euh, que tu mets à l'infini. Et les maires, ils font, ah oui, c'est vrai qu'on est le carrefour culturel de la France. <laughs> c'est mon village de 2500 habitants, c'est bien le carrefour culturel. Enfin, bref, bref euh, ils se euh... reconnaissent <laughs> parfaitement là dedans ouais. quoi. après c'est diffusé à la mairie en boucle pendant six mois ouais, et, ils sont contents, est... et en fait vraiment des fois je changeais juste le nom de la ville en fait je mettais le même texte et je changeais le nom de la ville et les gens faisaient ah oui ça c'est bien nous ouais. <laughs> et du coup non, on a fait ça pendant pendant quelques années euh, les deux. En fait, on était quatre au début, puis très très vite, on s'est retrouvé plus qu'à deux parce qu'en fait, les deux autres personnes ne croyaient pas qu'on allait faire quelque chose. Enfin, ne pensaient pas qu'on allait pouvoir euh, arriver sur quelque chose. Amener la chose plus loin. Quoi. Aller, amener la chose plus loin. Donc, elles sont parties et on s'est retrouvé plus qu'à deux avec elle. Et, euh, et du coup, en fait, on a fait ça quelques années. Puis, en fait, on est arrivé à un moment donné. On a fonctionné avec un système de contrat aidé qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, et on est arrivé à, à un point où euh, les, les mairies ont eu moins de thunes pour financer ce genre de truc. Hein. À un moment donné, parce que je, sais plus, je crois enfin, l'État leur a enlevé. Des... C'est un shift politique, une ouais, mesure X ou Y. L'État leur a enlevé des subventions, enfin, je ne sais plus comment ça marche. Mais euh, du coup, en fait, on s'est retrouvés dans une situation où on avait encore six mois de salaire, on avait six mois de trésorerie à, à tirer, entre six, euh, six mois et un an à peu près, mais on n'avait plus de boulot, on n'avait plus, plus rien à faire. Donc ben, là, il s'est posé euh, la question de qu'est-ce qu'on fait pendant cette année Donc est-ce que, un. Hein, on continue à faire des films pour des mairies euh, juste histoire de pas avoir un trou dans le CV, tu sais. Euh, deux, est-ce qu'on prend un, un an de vacances Un an de vacances. Sébille part de son côté, je pars de mon côté, un an de vacances. Et puis après, euh, chacun part de, so de son côté, vive sa vie. Ah, hein. vive la vie, ouais, oh, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ou trois, est-ce qu'on fait quelque chose euh, qui, euh, qui nous plaît un petit peu et est-ce qu'on essaye de s'amuser et de, de rester dans la vidéo, de faire de la vidéo, mais en faisant quelque chose euh, qui, qui nous plaît Et euh, donc, on connaissait euh, à, à cette époque... Je me, je me souviens très bien, ce marrant, parce que je me souviens précisément de, du moment où j'ai parlé à, à Seb du... Parce qu'on regardait tous les deux le, le concept de l'anglais video Game nerd, en fait, qui s'appelle, qui est notre équivalent américain, qui, lui, fait ça aux États-Unis. Et je me souviens très précisément du moment et du lieu où j'ai parlé à Seb et que je lui ai dit ce serait cool qu'on essaye de faire le même genre de truc en français, machin, etc. Dis-nous, quel est le moment C'était dans la mairie de Bages. C'était la mairie de Bages, qui est un petit village à côté de Perpignan. Mais Bageois, si vous nous écoutez. C'est ça. Et je me souviens très bien, on était en train de faire. Je me souviens qu'en fait, on nous avait demandé de cacher des caméras pendant la réunion du conseil municipal. Euh, parce qu'ils voulaient faire un espèce de, 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 de truc caché pour les gens du conseil municipal. Bah, ils voulaient donc... faire un prank Ouais, c'est ça, c'est un, pr un prank bien avant l'heure. <laughs> ils voulaient faire un prank. Et, 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 euh, et du coup, on, on avait caché des caméras, mais on n'avait rien. Donc, on avait fait des gros trous comme ça pour cacher des objectifs de caméra énormes. était des mini-caméras, ça n'existait pas. Genre les on est en 2007 peut-être à ce moment-là. Et, euh, et donc on, on, on discute de ça et on se dit ah ça serait bien de faire ça. Et euh, donc avec ça on se dit bah ouais pourquoi pas. Donc euh, donc on, on sait qu'on va à ce moment-là essayer de faire un, un truc un peu qui va ah, parler écranant, de jeux ouais. vidéo, mais pas forcément en fait sur les jeux rétro parce qu'en fait il faut savoir joueur de grenier au début c'était pas sur les jeux rétro. En fait la première émission l'émission zéro de joueur de grenier c'était sur des jeux indé c'était sur des, des petits jeux flash indé machin etc. Et je sais que les, les premiers jeux qu'on avait euh, envisagé de faire c'était. Du... Alors, il y avait Toribash, Bash, qui est un truc. Euh, un jeu de baston de ragdoll nul et il y avait un autre jeu trop bizarre où c'était des desserts avec des têtes d'humains enfin je me souviens voilà et donc on avait commencé à écrire quelque chose là-dessus et, euh, et en fait très vite on est en mode genre ça nous emmerde ouais. euh, c'est pas ça nous parle pas enfin et parce que c'est moi on a un mois d'écart en fait donc on a vraiment connu exactement les mêmes choses même génération même référence même chose. Ouais. et donc on sait parce qu'à la base on voulait pas faire on voulait pas faire comme l'angry video game nerd parce qu'on se dit ah ça fait chier quand même de reprendre exactement le même concept c'est un, un peu du plagiat et donc, donc on fait un truc différent et finalement on se dit Ah, ça nous fait, ça nous emmerde Et en fait, on se dit... Bah, c'est bon, que je veux dire, ok, euh, la VGN il parle de jeux vidéo, mais c'est nous aussi on a une jeunesse, tu vois, euh, il a le même âge que nous, la VGN, donc euh, c'est pas parce qu'il en a parlé, c'est pas parce qu'il y a un mec au bout du monde qui en a parlé que ça devrait nous interdire à nous de le ouais. faire aussi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et, et donc bah, on se dit, bah, fuck it, on le fait. Euh, et donc c'est comme ça qu'on lance le concept genre Du, Renier, du coup. Mais je crois ouais. que tu avais dit en plus, il euh, y a quelques mois, années, que genre vos deux premières vidéos, même toi avec un peu oui. de recul, oui, 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 oui. c'était. Les deux premières vidéos, c'était vraiment un peu trop de la repombe, notamment au, au niveau des têtes et des gimmicks. À l'époque, on n'avait pas le format parce qu'on a mis quand même euh, je pense qu'on a mis 6 7 vidéos à trouver notre forme tro à trouver un format définitif et les premières vidéos tu sais il y avait les grosses grimaces où je faisais mmm, je prends le jeu je pourris et, et, et euh, c'était ça c'était vraiment vraiment un peu trop de la repompe et en fait c'est à vraiment à partir de l'épisode de Dragon Ball où on a commencé à trouver notre format à nous c'est-à-dire un format à base de un petit peu de mise en scène des sketchs et le, la vidéo avec euh, un début une fin enfin une histoire qui se tient le long le long du truc ouais, plus les voix off tout ça machin plus les voix off ça, ça après lui il faisait aussi tu vois ah, bien sûr. mais euh, c'est euh, lui ce qui ne fait pas parce qu'il il a, il a essayé de le faire mais il n'a pas beaucoup fait c'est de mettre une histoire c'est-à-dire euh, avec une intro une conclusion un truc au milieu un fil rouge, ouais, hein, un fil euh, rouge. voilà Où, euh, ça il le fait pas beaucoup parce que c'est pas très américain en fait hein, de, de faire tu, tu remarqueras aux États-Unis il y a très peu d'américains qui le font de mettre des, de mettre des moyens dans une vidéo YouTube eux ils ont ils ont très ce côté euh, à la racheter. Ouais. Très ce côté, on, 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 on le fait... On... Out of the box quoi, on ouais, est là, voilà. on envoie... C'est non, mais c'est assez, assez marrant parce que tu vois, c'est un, un pas, pas un débat, mais forcément euh, une question qui revient très souvent dans, dans la création, que ce soit genre de contenu, même musical, etc. Mmh. Genre euh, à quel point au début tu arrives avec euh, bah, tes inspirations forcément, ouais. et euh, à quel moment tu arrives à t'en détacher, parce qu'il y en a, tu vois, même dans la musique ou autre, euh, ils ont beaucoup de mal à se détacher euh, de, des choses qui les ont inspirés, qui les ont fait du coup commencer de cette manière, et alors que d'autres arrivent assez rapidement au bout de quelques formats, notamment comme vous, à y mettre leur personnalité, mmh. leur touche perso, leur, euh, leur quotidien, leur vécu, leur manière de faire, leur pensée, leur goût. Tu vois et donc du coup, bah, c'est assez, assez, assez marrant de voir ah. que même vous, ça avait commencé comme ça. En vrai, tu n'inventes jamais rien de zéro. En vrai, dans quoi que ce soit, je pense, le les, les films, les, les... c'est très rare que quelqu'un arrive et invente un truc de zéro. En général, tu arrives et tu es, as, as, as mélangé un petit peu de A, un petit peu de B, un petit peu de C, tu mélanges, tu touilles, et ça, ça donne un truc neuf. C'est euh, pour ça que bah, nous, ça a mis du temps, ça a mis quelques vidéos à se démarquer quand même, c'est normal. Ça c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un du coup, qui, qui, qui demande dans le chat. Je me permets de prendre, mais il y en a un qui demande si à l'époque vous étiez peut-être inspiré aussi de retro game one, des choses comme ça peut-être ou pas. Euh, du non, tout bon. pas du tout. Non, vraiment retro game. Moi, je regardais pas trop. Euh, bah, en fait, j'avais pas les chaînes de la télé. J'avais pas, pas game one. Donc plus rapide. Euh, ouais, voilà. Mais euh, non, non, c'est pas du tout inspiré de, de, de game one. C'était vraiment notre. Euh, moi, je, les cinq sources d'inspiration euh, qu'on avait et qu'on a toujours, c'est numéro un, c'est les films des frères Zaz donc les frères, les frères Zucker, donc tout ce qui est y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote euh, tout cet humour absurde en fait qui vient des années 80, Hot Shot euh, sont, Hot Shot 2, mon film préféré quoi. Euh, enfin mon film préféré humoristique tout cet humour absurde en fait qui vient des, des années 80 euh, c'est vraiment ma grosse référence en, frère, de, en fait de les as euh, après on avait euh, François Pérus qui est pour moi une très grosse inspiration au niveau de l'humour, j'adore vraiment François Pérus je trouve qu'il est exceptionnel euh, les, euh, les Monty Python aussi un petit peu moins les Monty Python mais ça, ça joue aussi dans le, dans le style d'humour aussi différemment absurde. Ouais, bien sûr. Euh, le nostalgie critique aussi qui au final euh, nous a beaucoup plus inspiré en fait que la VGN la VGN nous a inspiré au niveau de la forme le nostalgie critique nous a plus inspiré au niveau du fond en fait le nostalgie critique qui est donc un un type qui fait des reviews de films aux états unis euh, et qui, euh, qui a aussi une, fo une forme d'humour un petit peu absurde, un petit peu vénère. Un peu décalé, un, un peu... Un peu décalé, exactement. Et donc, qui, lui, nous a beaucoup inspiré aussi. Et euh, enfin, la VGN, du coup, qui, lui, nous a plus inspiré dans la forme, en fait, dans l'emballage réellement, euh, du coup... Euh... Voilà. C'est assez intéressant parce que du coup j'ai quand même le sentiment que votre association et ce que vous aviez fait du coup pendant quelques années avec les mairies de Bages et compagnie, ça vous a aussi servi à prendre, je pense en tout cas, votre premier matériel et ouais. du coup d'arriver dès votre première vidéo sur un format déjà un petit peu abouti parce que je me la suis refaite justement pour ouais. cette émission et franchement alors autant il y a un demi milliard de vidéos qui ont mal vieilli, autant on peut pas vraiment dire ça de vous quoi bah, en fait, euh, effectivement, quand on a commencé, on avait le matériel qu'on avait acheté euh, pour, euh, pour, pour faire nos films institutionnels. Donc, on est arrivé, on avait une caméra, on n'avait pas une webcam, tu vois. En fait, le truc, c'est faut voir qu'on arrive en 2009, euh, personne, ne montre, euh, personne ne montre sa tête en 2009. Il n'y a, y a, y a rien sur YouTube, il n'y a rien. C'est tellement loin qu'on a du mal à s'en rappeler. C'est comment que... commentaire immodère en euh, tout bête. Voilà, il n'y a, y a personne. Alors, il va y avoir les plus gros, ça va être genre Hooper, euh, ou Bibi 300 euh, qui sont mais qui font euh, qui ont 10 000 abonnés tu vois ça va être ça les plus gros youtubeurs de France ça va être ça à l'époque euh, parce que tous les gens genre Squeezie, Squeezie Cyprien ils existent pas à l'époque ils sont même pas euh, Cyprien il est peut-être sur Dailymotion à ce moment-là mais euh, ils sont pas sur Youtube euh, pour et pourquoi il n'y a rien C'est parce qu'aussi, il n'y a pas de monétisation. Quand on commence en 2009, on peut pas gagner d'argent avec YouTube. Ce n'est pas possible. Ça, ça, no, ça, je crois que ça commence à partir de 2010-2011. Mais euh, en 2009, ce n'est pas possible. Donc du coup, il bah, n'y a pas vraiment de raison de, de mettre des efforts dans un truc qui ne te fait rien gagner. Quoi, tu vois. Et, euh, et donc, bah, quand, quand on arrive avec un format un petit peu monté avec euh, euh, des sketchs, des gags, machin, etc. Forcément, l'écriture et compagnie. Ça, donc forcément, ça se dénote. Et, et, euh, et euh, après, on a, on a mis du temps. Hein. Pas, je pense que c'est toujours pareil. Hein. C'est la vidéo Dragon Ball en fait qui nous a fait exploser. Hein. Sinon, elle euh, arrive au bout de combien de temps exactement la vidéo Dragon Ball Dragon Ball, je crois. Alors, je ne sais plus si c'est la sixième ou la dixième. C'est dans les dix premières en fait. C'est Dans les dix premières, mais euh, c'est celle-là qui nous fait réellement exploser parce que Dragon Ball. Et aussi parce qu'en fait, quand on commence en 2009. Euh, et ça, c'est terrible de se dire ça. Quand on commence en 2009, les années 90, c'est 10 ans avant. <laughs> ouais. Là, on est en 2022. Les années 90, c'est il y a 22 ans maintenant. Donc, euh, euh, quand on commence en 2009, la PlayStation 2, elle n'est pas sortie il y a si longtemps que ça. Tu vois non, bien sûr. Euh... La PlayStation 2 était sortie il y a, genre, euh, je crois, 7 ans. Et ouais. la PS3 est sortie en 2006 7 un ouais. comme ça. Tu vois. Donc, en fait, c'est encore assez… Euh... C'est ça. Mais c'est surtout qu'on est très proche des années 90, en fait. En, en... Donc, les gens qui commencent à nous regarder euh, en, en 2009, ce sont euh, des gens qui ont vécu le truc, es, qui s'en souviennent. Là où maintenant, euh, les années 90, tu parles c il faut vraiment avoir plus de 30 ans pour s'en Carrément. Et dans le chat, il le dit, je suis vieux. T'as mis des clims. Là, il y a des gens, tu les as climatisés intérieurement. Ça se voit que la fait d'avoir dit ça, ça pas vraiment Faut pas vraiment pousser sur le bouchon quand même. Donc, du coup, c'est assez drôle parce que tu as anticipé un peu une de mes questions. J'allais dire, première vidéo, 30 septembre 2009, etc. Maintenant, quand on fait des recherches sur vos vidéos, elles ont tout explosé elles des millions de vues. Parce que j'avais demandé, c'était laquelle du coup qui vous a fait passer à un autre niveau Dragon Ball, du coup. C'est Dragon Ball. C'est euh, la En fait, c'est la première où on a fait un petit peu de fond. Déjà parce que c'est Dragon Ball. Euh, c'est la première où on a fait un petit peu de, de, de fond vert. Euh, on s'est un petit peu, un petit peu fait chier fond vert qu'on étendait sur une porte de ma chambre. Enfin, fait, c'était, euh, voilà, c'était, c'était fait, fait un mot de euh, et puis voilà, il y avait vraiment un fil rouge qu'on avait tenu pendant tout le long, le, le fameux Ah, c'est de la drogue <laughs> C'est parce qu'il y avait le, le truc de. En fait, dans Dragon Ball, tu as des sprites. Euh... Vous êtes péché, hein ouais. c est, c est, Non, mais c'est con, mais oui. Euh, on a, dans Dragon Ball, il y a un sprite de, 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 de culotte, en fait, qui a été inversé pour la censure européenne, qu'ils ont mis à l'envers pour faire un espèce de, de truc de riz, mais qui ressemble à un, un tas de coke, en fait. Et donc, euh, c'est ça qu'on a. C'est pas le, le truc qu'on a tenu pendant toute la vidéo, mais au final ça marche bien parce que tu installes un truc au début de la vidéo et à la fin tu as le payoff de, 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 du truc que tu as installé. Donc, Il y a vraiment un fil rouge, il y a vraiment un fil conducteur pendant toute la vidéo. Quoi, du et, coup. et au moment où ça pète, donc euh, voilà, vous êtes sorti de vos associations, des mairies, vous avez fait vos premières vidéos, donc premiers essais, euh, les premiers, comme tu dis, très ensuite mmh. un peu plus de personnalité, un peu plus, un truc qui vous ressemble un peu plus, et là, bam, ça pète. Tout commence, je pense, en tout cas la machine commence à se lancer. Mmh. Vous dites quoi à ce moment avec, euh, avec Seb ben En fait, on ne se dit pas grand-chose parce qu'on se dit c'est con, ça marche bien, mais on va devoir arrêter parce qu'il faut bien qu'on gagne notre vie. Quoi, tu vois pas, et, et en fait, c'est euh, suite à une rencontre dans un salon avec euh, Fanta et Bob euh, qu'on on apprend que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube et c'est à partir de là que réellement, euh, euh, enfin... <rire> <rire> la thune <laughs> La thune, enfin Non mais ça, surtout, c'est à partir de là qu'on se dit ah, on va peut-être pouvoir... Continuer à faire ça dans notre vie, tu vois. Parce que c'était vraiment. Euh, c'était cool, mais Dragon Ball, c'était la dixième vidéo, donc ça veut dire ça faisait plus de an qu quasiment un an qu'on faisait ça. Bon, on était en mode, bon, c'est sympa, mais il y a un moment donné, il euh, va bah, bien falloir payer le salaire, il va bien falloir. Tu sais, euh, à ce moment-là, bon, moi, je viens encore chez ma mère, tu vois, c'est. Il euh, faut, faut bien, il y a un moment. À bah vivre, il ouais, faut prendre pour, son envol. Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, après la, le après la rencontre avec Fanta et Bob qui eux ont qui sont qui sont hallucinés hein, quand ils nous rencontrent parce qu'ils nous disent attendez combien vous vous ne vous gagnez pas votre vie avec ça euh, alors que eux ils font beaucoup moins de vues que nous techniquement même s'ils produisent beaucoup plus de vidéos mais quand, quand Fanta lui il arrive euh, il arrive dans le dans, sur YouTube lui Fanta c'est un patron hein. c'est donc il arrive direct en mode ok comment je vais gagner de l'argent avec ça tu c'est euh, et, et du coup c'est lui qui euh, c'est lui et Bob qui nous apprennent à, à rentabiliser ça c'est assez drôle parce que du coup tu vois j'ai eu Monsieur le V12 ici il y a quelques semaines ouais. et il m'a raconté lui aussi, qu'en 2010, 11, ouais. tu vois, euh, il était aussi parmi les premiers youtubeurs français à qui on avait parlé d'AdSense, mmh. ouais. donc euh, du programme, euh, tu sais, en mode très secret. Il ouais, faut pas le dire à beaucoup de monde, mais <laughs> vous allez bientôt pouvoir vous permettre de. Du coup, quand Faudra et Bob il vous en parlent, genre, vous, vous avez eu, eu un contact, un truc, tu vois, pour comme, mettre la euh, chose en place en, en quelque fait, sorte. À l'époque, ils nous mettent en contact, alors je sais plus si c'est eux qui nous mettent en contact, ou si c'est Benzaï. Euh, parce qu'on a déjà un petit cercle qui gravite autour de nous avec Bob, Benzaï, euh, qui sont des potes. Euh, et, et du coup, euh, on, on rentre assez vite en contact avec une boîte qui s'appelle Machinima ouais. à l'époque. Oh la douille! Machinima.com, exactement. <laughs> en fait, il faut voir que la, la stratégie de Machinima à l'époque, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont fait des contrats ultra généreux avec tout le monde pour que tout le monde vienne chez eux. Et ensuite, cinq ans après, ils ont fait, et maintenant, divisé par huit. <laughs> Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait pour faire venir tout le monde chez eux. Donc bon, euh, dans le laps de temps, on a quand même pu commencer à gagner un petit peu. Pas grand-chose. Hein. On, on touchait un, un demi-smic euh, à l'époque de, 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 de Dragon Ball. Quoi. Ouais, Donc, euh, pas ouf. Ouais, pas ouf. Mais euh, ça, au moins, on, on touchait de l'argent à nous. Que tu vois. Ça met le pied à l'étrier. C'est ça. Et donc euh, on commence à, enfin c'est là après de fil en aiguille évidemment bah, les, les revenus euh, on... c'est toujours pareil tu prends de l'expérience fais attends là, là, vous essayez de m'enfler, machin etc. Mmh, tu, et tu commences et, à connaître un tu petit peu comment connaître ouais. comment comment rentabiliser comment marche la monétisation machin etc. Enfin, voilà. et, et, et du coup au final maintenant qu'on a passé cette étape comment s'est passé un peu le développement de la chaîne et, et du produit entre guillemets au fur et à mesure vu que vous avez commencé tôt et que vous en viviez pas encore qu est, qu est vous... genre ça s'est passé comment une fois que la chose a commencé à tourner que l'engrenage et la chose était lancée quoi euh, à quel niveau oh, en terme, Pardon, j'aurais dû préciser. En termes de contenu et de l'évolution de celui-ci, notamment quand hein. vous avez commencé à ajouter dedans des choses, euh, peut-être euh, un peu plus euh, de... Comment ça s'appelle Quand vous, faisiez, vous faites vos petites scènes, etc. Ouais. Quand vous faites évoluer le format, quand, quand celui-ci commence à mûrir de petit à petit. Genre, euh, c'est avec le temps, c'est en discutant tous les deux, c'est en voyant des choses à côté. Ça s'est passé comment bah, En fait, c'est juste parce que plus on a de moyens, plus on a envie de faire des trucs... Euh, ça, ça, ça serait un peu, euh, surtout si on, on fait des op et des placements de produits, ça serait un peu gonflé euh, de, de faire des op et des placements de produits et faire. Et maintenant, votre épisode qui ressemble toujours à la même chose depuis 10 ans <laughs> ça, serait, euh, ça serait quand même. Oui, oui, c'est pas <laughs> ouais, ça... Non, ça serait quand même un peu gonflé, quoi. Donc, euh, c'est plus on a de moyens, plus on investit, là, par exemple. Euh... On a investi beaucoup dans, dans des éclairs. Maintenant qu'on a les moyens, on investit dans des éclairages, des meilleures caméras, des meilleurs objectifs. Et en fait, c'est dès que tu franchis un cap, euh, tout coûte dix fois plus cher. Oui. Que dès que tu mets le, dès, dès que tu commences à mettre. « Pro » Devant un produit, c'est ah ben voilà votre produit que vous achetez 3, 300 euh, 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 quand, quand c'était amateur. Maintenant, ben, il en vaut 30 000 euh, parce que pourquoi ben, il y a marqué pro <laughs> donc euh, voilà. Ou alors il euh, y a deux fonctionnalités et demie ouais, en plus, mais qui ça. peuvent faire un peu la différence quand même. Donc c'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est c'est ben, comme ça. En fait, c'est juste on a fait évoluer ça parce que euh, bah, parce que ça serait con de stagner en fait, euh, tout simplement. Euh, c'est une question qui revient souvent, ça. Mais pourquoi vous faites ça Et je suis en mode, bah, pourquoi on ne le ferait pas, en fait tu vois, euh... Moi, c'était plutôt comment ouais. C'est-à-dire le, le processus qui a eu derrière, est-ce que c'était une volonté poussée, en mode, tiens, on ne va pas s'enfermer, il faut bon, ramener le truc à la oui, autre niveau il faut, tu vois. il faut évoluer. Le truc, c'est qu'on a, on a, on a une, la, la difficulté, c'est que genre euh, du Grenier, c'est un, un format qui est très vieux, qui a 13 ans cette année. Euh, donc, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. On ne peut pas juste. Ou alors, il faut faire, créer un nouveau format, comme on a fait pour Papy Grenier, par exemple, ou comme on a fait pour Leur Sujet. Bon, ça, c'est des formats différents, ça n'a rien à voir. Mais, euh, par exemple, le joueur du Grenier, il faut garder la base de c'est un test de mauvais jeu. Donc, ça veut dire que. Euh, mais après, on ne s'impose plus de date. Hein, maintenant, ça peut être de la PS2, de la PS3, ça, on s'en fout. Mais euh, c'est juste que il faut garder cette base de test de mauvais jeu par un personnage qui râle parce que c'est un mauvais jeu. Donc, euh, la difficulté, c'est qu'en fait, on a. Tout dit, tout fait et tout vu en 13 ans. C'est euh, comme je dis souvent, joueur de grenier, la difficulté, c'est que c'est comme si je te demandais, je te demandais. 700 façons de me dire que ce mur est blanc ouais bon c'est euh, au bout d'un moment le message est passé quoi bah, au bout d'un moment plus... tu vas dire ce mur est blanc euh, ce mur est white ce mur est l'opposé de noir mais c'est euh, <laughs> au bout d'un moment t as, t as, tu as dit de toutes les manières possibles que ce mur était blanc tu vois et c'est le problème qu'on a dans les JDG effectivement c'est que, euh, que bah, on a des problèmes qui sont souvent très récurrents donc euh, la caméra elle déconne il faut dire il faut trouver de 50 manières différentes et sans se répéter que la caméra déconne. Parce que, et, et très franchement, ça nous est arrivé de se répéter. Là, il n'y a pas très longtemps, je crois que dans, dans, plus dans un jeu en vrac où j'ai fait une blague que j'avais déjà dit dans un épisode vieux de 6 ans. Les gens, ils s'en souviennent, ne t'inquiète. Mais moi, j'étais en mode, euh, quand les gens m'ont dit ah, Tu recycles tes blagues euh, Tu l'as dit dans l'épisode 42 de la saison 3. <laughs> Ah merde ouais, <laughs> Putain, ça euh... fait mieux, hein ouais je t'en fais mieux ouais je me ok <laughs> peut-être <Et> en plus <laughs> ces gens-là ils ont la mémoire ils ah ouais ont... c'est fou c'est assez marrant parce que c'est comme ça qu'avec Twitch des fois dès que tu veux tu sais dès que toi t'as la tête dans le guidon très vite ouais. tu te rends compte que les gens qui te suivent et qui te suivent genre, vraiment tu vois ouais. tu leur parles d'un truc ou tu leur soumets une idée ou autre ils vont avoir un point de vue extérieur, ils vont t'apporter un truc de mec qui s'y connaît comme s'il avait fait euh, tout ce chemin avec toi tu vois et donc ces gens qui savent la blague qui a été faite il y a six ans c'est toujours surprenant ouais voilà et c'est vrai que bon, 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 du coup forcément ça nous arrive de, ça, nous, ça peut nous arriver de se répéter mais voilà c'est la difficulté donc comme on a, on n'a pas vraiment de marge de progression euh, sur euh, comment changer le test alors on l'a un peu fait dernièrement parce que maintenant on, on a, avant c'était vraiment genre il y avait un problème dans le jeu stop ah, les développeurs mais ils s'en foutent hein, ils prennent du antifreeze enfin bref bref euh, comme on n'a plus trop plus trop cette marge maintenant on essaye de comprendre euh, un jeu est mauvais, mais ok, mais pourquoi il est mauvais euh, Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi son histoire à ce jeu Qui l'a créé Qui l'a développé Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il est mauvais Parce que très souvent, en fait, euh, en fait euh, maintenant, enfin, on, le, on le savait à l'époque, mais on ne le, le montrait pas mais euh, très souvent les jeux vidéo quand ils sont mauvais c'est pas la faute des développeurs hein. les développeurs ils le savent très bien que leur jeu il est mauvais c'est la faute des éditeurs qui sont derrière et qui disent mon jeu je le veux fini demain et budget tant... deadline ouais, bon. budget, bah, budget budget deadline fait bon bah ok ben bah, voilà vous, vous j'ai pas le temps bah, donc voilà c'est de la merde mais tant pis c'est donc on le sait mais euh, c'est donc on essaye de plus appuyer là-dessus euh, au niveau du test mais ça reste limité on peut pas on peut pas révolutionner mmh. le format joueur du grenier au bout d'un moment le format lui-même a ses limites tu vois c'est exactement genre vous l'avez bon, expérimenté énormément de choses mais comme tu as dit tu peux pas le transformer sans même que ça perde de son essence tu ouais, vois c'est ça parce que c'est on est toujours étiré entre euh, et ça ça a toujours été le cas hein, depuis 13 ans c'est comme ça ça on a toujours été étiré entre le je veux pas que ça change mais si ça change pas j'arrête de regarder voilà tu vois euh... c'est vraiment une sorte d'équilibre super difficile ouais. parce que si ça change trop alors les OG vont dire ça a trop changé on s'y reconnaît plus il y a plus cette essence et bam du coup bah voilà c'est difficile ouais. Et si ça change pas assez, c'est redondant. Nanana, nanana, Exactement. Nanana. Donc tu es toujours étiré et il faut toujours faire la balance entre, entre les deux en essayant de faire évoluer le format doucement et en même temps ne pas le révolutionner, sinon c'est oh, mais c'est plus la même chose enfin, donc, voilà. et, et donc bah, notre marge d'évolution, elle est où Du coup, bah, elle est sur les mises en scène qu'on met autour. Parce que ça, les mises en scène, par contre, raconter une histoire, faire des sketchs, euh, améliorer la qualité, euh, ça, euh, la qualité technique, euh, en passant, la dernière vidéo, elle est en 4K 60 FPS, c'est travailler l'éclairage, On ne travaillait jamais l'éclairage, on a commencé à le faire que l'année dernière, en fait. Ben, tout ça, c'est des choses qu'on peut améliorer, du coup, et qui donnent une marge de progression. Mais voilà, après le test, ben, c'est difficile, bien parce sûr. Que, parce que même, même nous, en fait... On n'a pas envie de faire tout le temps la même chose. C'est normal. Bon, hein. C'est normal. Vrai, ça fait 13 ans, euh, 13 ans que je dis que les jeux ils sont pourris. Au bout euh, c'est pas faire pendant 13 ans genre ah, ils pris de la drogue. <laughs> c'est au euh, bout ça moment ça quoi ouais, cas, euh, c est, c est, Nous on a envie de. On, on a, je comprends les gens qui disent ah c'est plus pareil, mais ah, en même temps c'est bon, on a envie de s'amuser aussi en, en, faisant, en faisant la vidéo. Quoi. Je suppose c'est d'ailleurs pour ça que par exemple, on, je t'avais dit pour préparer cette émission, j'avais regardé notamment ton passage chez Absol. Mm. C'est pour ça que chez Absol vous mentionniez du coup il y a quelques années que. alors Tant mieux, on est encore là, mais que le personnage, le format JDG pourrait avoir une fin. Bah, euh, au bout d'un moment, ça aura forcément une fin. Ah, ouais. euh, bah, à euh... vous disiez vous limite 2016. Bah, hein, oui, alors, alors oui, effectivement, c'est parce que euh, tout simplement, on ne s'imaginait pas aller plus que ça. Là, on a arrêté de se prendre la tête, euh, franchement. Euh, je sais pas ce qu'on fera le mois prochain. Je sais, je... <laughs> genre, on navigue mis... un peu à vue. Ah, c'est complètement on navigue à vue, mais ça fait des années hein, qu'on navigue à vue. On a toujours fonctionné à vue, mais c'est euh, là je ne me prends plus la tête en mode genre. Euh, okay. enfin, pff, on, on verra. C'est voilà. fascinant. Ça, ça fait vraiment, comme j'ai dit, ça fait plus de 100 émissions que j'ai fait ici alors des créateurs de contenu. Bon, ouais. j'en ai eu, j'en ai même re -eu, tu vois. Et il y a toujours ce côté quand quelqu'un fait ça depuis vraiment un peu longtemps. C'est fascinant de voir le moment où on sent un petit euh, lâcher prise ouais. entre guillemets. Bah, ça veut dire que la, la personne ne veut plus faire de contenu de qualité ou ne le prend plus au sérieux. Mm. Mais on sent qu'il y a moins de prise de tête au bout d'un moment parce que ah c'est bon, ça fait 7, 8, 10, 12 ans que ouais. je suis là. Pff, je connais un peu le truc, me prends plus la tête. Quoi. Oui, mais si, mais si ça s'arrête, ça s'arrête. Et puis voilà. C'est pas grave. Hein. exactement ce que ouais. je veux dire, c'est est marrant. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, qu'à l'époque, euh, tu sais, notamment euh, dans, dans toutes ces productions, tout que en parallèle, vous avez lancé la, le Bazar du Grenier, du coup Ouais, alors le Bazar du Grenier, ça venait en fait euh, à la base d'une volonté de, euh, bah, déjà, de gagner plus de On on peut se le cacher, <laughs> parce que le truc, c'est que le format, le, le truc, c'est que de, sur, sur YouTube, le format fait qu'un clic égale un clic. Donc, euh, si tu cliques sur une vidéo euh, que t'as mis, mis un mois à faire, ou une vidéo que as mis 30 minutes à faire, bah, le deux, les deux clics ont la même valeur. Donc euh, ça venait, voilà, simplement la, la base c'était juste, il faut qu'on fasse plus de vidéos pour gagner plus d'argent. À l'époque, on faisait pas de placement de produits, on savait pas que c'était possible. Mais euh, le bazar du, mais pourtant c'est pas pour autant que on essaie que que le bazar du grenier c'est un fourre-tout. Par exemple, moi j'aime pas mettre, j'aime pas mettre juste, juste des let's play le au ouais. bazar du grenier. Il y en a eu, il y en a eu des, des trucs où j'ai fait, euh, euh, je sais même pas si peut-être FF7, Remake, j'ai dû mettre, genre, ou, ou Last of Us 2, euh, mais j'aime pas trop mettre du, du, du contenu fourre-tout en fait. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est de, de l'arnaque en fait. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Je sais pas, je trouve que c'est pas. Un côté respect du viewer quoi. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est pas ouf. Donc, mais, et le problème c'est qu'en fait, en faisant ça, on retombe dans le travers où ça prend toujours plus de temps de faire des vidéos. Donc. Il y a des gens en vrac. Alors il y en a un mois, tout, tous les mois ou tous les deux mois à peu près. Il y a des clubs JDG, tu vois. Mais ça c'est des vidéos, c'est monté, c'est écrit, euh, donc ça prend du temps. Des, les, tout ce qui est play narratif. Avant j'en faisais euh, genre il y en avait un toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Maintenant je peux plus quoi. Tu vois c'est juste euh, c'est plus possible. Bon tu peux pas te diviser quoi. Bah c'est ouais, c est, c est, c est, faut voir qu'en fait joueur du grenier on travaille dessus. C'est notre activité principale. Même si c'est pas la chaîne la plus rentable, notre... on travaille dessus de euh, du, du matin jusqu'au soir quand on arrête. Voilà. Ensuite le bazar du grenier, quand on arrête de bosser vers 16h vers 17h à peu près, jusqu'à 19h je bosse un petit peu le bazar du grenier. Et des fois en plus maintenant je stream. Donc des fois je, je, je travaille du matin jusqu'à minuit, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que le bazar du grenier euh, c'est compliqué à gérer, c'est vraiment super compliqué parce que c'est euh, on, on est j'aimerais ai, aime, vraiment, j'aimerais du fond du cœur qu'il y ait vraiment des bonnes vidéos de qualité. Donc il euh, y, y a le ces jeux qui m'ont marqué. C'est pour ça que j'essaye de trouver des formats un petit peu genre les ces jeux qui m'ont marqué ou des fois des, des formats où je discute un petit peu plus d'un sujet euh, comme ça ou les critiques ciné, tu vois. Mmh. Parce que c'est des, des, des formats que ah, vous aviez fait Batman. Ouais. Des formats qui sont plus rapides et plus faciles à faire en fait et, euh, et, et c'est c'est ça le c'est dans c'est ça le bazar quoi c'est marqué dans le titre hein. c le, ça devrait être le bazar oui quoi. on se permet de lâcher un peu de ça et le problème c'est qu'à chaque fois en fait on ne peut pas s'empêcher de revenir sur un truc en disant ouais mais non on peut pas mettre ça c'est de la sous qualité tu vois pas assez quali pas ouais. assez bien. parce que vous, en fait limite je pense alors je veux dire dans l'esprit des gens mais même dans vos propres têtes vous avez élevé une barre donc un standard mm. Et c'est difficile pour vous, je suppose, d'aller même ne serait-ce qu'un petit peu en dessous de ce même bah, euh, ouais, en fait, c'est que je sais pas, enfin, euh, je sais pas, c'est un blocage mental. Ça devrait pas, ça devrait pas exister en fait, hein, mais c'est euh, bah, c'est c'est un truc oui qu'on qu'on qu se dit. Euh, y a, je sais pas, il y a un côté sale, es, c'est un côté... Ouais, j'ai regardé, j'ai foutu ma merde, là, vas-y, cliquez dessus. Tu sais, je trouve qu'il y a j ai, j ai, j ai trouvé, un côté... Euh, ouais, non, mais j'entends. J'entends, j'ai envoyé parce qu'il fallait... Hop, ouais, voilà, bon, il y a ce côté, voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, euh, maintenant, il faut cliquer dessus. Et, et ça, j'aime pas, j'aime bien que... Je sais pas, il y a au moins un truc, une raison de cliquer dessus, un peu original. Tu vois, voilà, quoi. Et avoir même une satisfaction au moment de le proposer, je suppose. Ouais, ouais. Et c'est frustrant parce qu'on a plein de trucs qu'on aimerait faire sur le bazar, plein d'idées, genre des trucs qu'on a écrits avec, euh, avec Seb. Je sais qu'il y a, y a une, des, des fausses pubs qu'on aimerait faire euh, sur le bazar et on n'a pas le temps de les faire. T'sais. On n'a pas le temps et ça rend fou. Quoi. Bah, mais, parce qu'on ne peut pas se diviser. quoi. Euh... La fameuse to-do list. Ouais, et pourtant, c'est des trucs vraiment cool. Il y, y, a, y a un truc qu'on a écrit qui est trop drôle et que j'aimerais trop, trop qu'on tourne, mais on n'a juste pas le temps de le faire. Et, euh, et là, c'est les... par exemple, un, un jeu en vrac, bah, ça prend quand même quelques jours. tu vois, bah, Parce qu'il faut que je joue au jeu, il faut que j'écrive le texte, il faut que je, que, je le, que je le tourne, que je le monte. Donc euh, c'est euh, con, mais quand, quand tu ajoutes ça en plus du reste, bah, euh, au bout d'un moment. Euh... Il Reste plus beaucoup de temps euh, personnellement, normal. quoi, tu vois. bien sûr, c'est normal. Bon, moi, dans une des dernières vidéos du bazar que j'avais vu, tu étais à côté euh, du coup euh, de Seb et vous étiez genre sur les sièges et tout, vous parlez comme ça. mais bon, ça va, l'esprit est quand même respecté. Ça, ça c'est cool, tu vois. Ça, ça c'est facile en fait, c'est facile, mais euh, c'est peut-être trop facile ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais j'entends, j'entends, j'entends. Et, et, et pour toi, qui est un, un, une personne qui a Traversé quasi tous les âges de YouTube, enfin qui les a tous tra traversés, dès que tu as commencé en 2009, tu les as tous vus. Euh, la question étant, tu as pu voir au début en 2012, 13, 14, parce que tu as dit notamment que tu savais pas que c'était possible à l'époque les opérations commerciales, donc mm. les petites euh, vidéos sponsorisées, intro sponsorisées, tweets et consorts, euh, qui faisaient à l'époque polémique. Des personnes ont ouvert grand la porte et sont pris le trombeau de merde en premier pour permettre à tous le reste quelques années plus tard vrai. de pouvoir le faire gentiment c'est les premiers ils ont ouvert la porte <laughs> euh, en mode <laughs> est-ce que, est que je peux gagner un peu d'argent ça <laughs> et euh, et on s'est pris des sauts de mer genre, oh les vendus et, et maintenant les gens ils arrivent en mode oh, regardez je, je mange un sandwich à 8 milliards d'euros euh, c'est sponsorisé euh, par mon cul <laughs> maintenant c'est vraiment il n'y a plus aucune limite es, c'est euh, mais oui au, au début les premiers sponsors je sais que les, les youtubeurs ils y allaient en mode euh, je, je me permets de prendre un peu d'argent pour, pour vivre. C'est vrai que ça faisait l'image de ouais. vendu du siècle, ouais. quoi. Alors que maintenant, c'est entré, entré dans les mœurs, en fait. C'est assez marrant. Et du coup, au niveau de cette évolution, toi, de, de, de ce moment où c'était oh, shame, à un moment où ça s'est de plus en plus démocratisé, où ça a été de plus en plus accepté, est-ce que toi, tu as dû passer par ce passage-là Enfin, est-ce que vous avez. Alors, c'est marrant, parce que notre toute première OP, on l'a fait très tôt dans la chaîne, euh, c'était des vidéos pour un jeu qui s'appelait Dragon's Dogma. Euh, on avait fait des... Alors, ça devait être en 2010-2011. Hein. On avait touché... Euh, c'était Capcom, et on avait touché 600 euros, <laughs> je crois. Je, euh, ou, euh, je crois que c'était ça. Je crois que c'était 100 euros par... Euh, Peut-être 100 euros par vidéo, je sais plus, mais c'était une somme... C'est ridicule, en vrai, pour quatre pour vidéos. Euh, 600 balles pour 4 vidéo. Ah, avait du mal à C'est comme ça. Euh, <laughs> Jusqu'au bout. C'est en vrai, en vrai, ces vidéos qu'on a fait maintenant, on les vendrait pas à moins de, de 30 000 euros. c'est C'est euh, <laughs> Donc, euh, parce qu'à l'époque, on savait pas. Que c'était possible. Enfin, on et on Marc, était à... elles était contentes que vous ne saviez pas. C'est ça. Et on était en à... mode wow, c'est trop bien. Tu imagines, nous file 600 balles pour deux. C'est sais, tu si on divise par deux, ça fait 300 oh, euros. On va parler au resto. Oh, oh. Hallucinant, quoi. Flunch ce soir. Et, euh, et euh, du coup, euh, bon, voilà. La deuxième OP qu'on a... Qu a fait. Euh, en fait, non. On, on, on est allé voir. Ensuite, on est allé voir. Euh, on est allé aux États-Unis. On s'est fait payer un voyage. Première fois qu'on voyageait hors de France pour aller voir Cars 2, qui était pas ouf. Euh, où on avait rencontré John Lasseter, qui était techniquement une op parce qu'on devait parler de Cars 2, sauf qu'on n'avait rien touché. Euh, zéro. C'était juste. On était invité. Il nous disait oh quand même, c'est bon. Euh, on vous paye le billet d'avion. Euh, fais pas chier quoi. Tu vois Donc euh, bon. Oui, le... y a un petit truc sympa quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, après, on avait rencontré John Lasseter à l'époque. Euh, qui est donc le personne qui avait fondé. Alors je sais pas si c'est le fondateur de Pixar, j'en sais rien. Enfin, je, je, je sais que pour l'anecdote, Seb était super intimidé devant lui. Moi, j'en avais rien à foutre parce que je sais pas qui c'était. C'est donc euh, je, je suis vraiment en euh, mode, ça. Euh, c'est vraiment devant le mec qui a créé Pixar, ça. Euh, fin, mec. Euh, alors, Yo. <laughs> Bref, euh, rien à foutre. Et, euh, et, et une, une troisième op qu'on avait fait mais qui n'a jamais été aboutie, c'était pour. Euh, je ne vais pas le dire. Je... Pas de souci. Je ne vais pas le dire parce que cette personne est encore dans le. Ah, en vrai, en vrai tout le monde le sait maintenant. Mais, mais c'était pour quelqu'un qui à l'époque c'était avant pour Maxi. C'était pour le jeu SimCity, le, le, le reboot de SimCity. Okay. Et c'était pour une personne qui était responsable, euh, qui était un haut responsable euh, d'une célèbre société de jeux vidéo. Euh, le truc, c'est qu'en fait, quand, quand on y est allé, on avait fait euh, le, on avait fait l'OP. Enfin, on, donc, on devait parler, en fait, on, on y allait, on, on, on devait faire un petit sketch avec Papy Grenier dans les rues de San Francisco, on avait tourné un truc super sympa, avec, on était avec Sabé et Karim et, et Nico, je crois aussi. Euh, et donc, on, on devait tourner un truc, et, euh, et et donc, on devait parler du jeu, on devait parler de, du jeu SimCity et dire, ah, voilà, de, voilà ce que... Parler du jeu, donc on fait des, des petits sketchs avec les développeurs, machin, etc. C'est rigolo. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on arrive là-bas et qu'on teste le jeu, bah, le jeu, il n'est pas ouf. Et, genre euh, vraiment pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Euh, genre vraiment pas terrible et donc euh, c'était bien payé à l'époque hein, c'était genre euh, 10 000 balles tu vois euh, donc c'était vraiment bien payé et euh, donc on teste le jeu et à la, et, et à la, à la on, on fait la vidéo et à la fin de la vidéo je, mets, je je mets quand même un truc où je dis où je dis euh, je dis bon voilà voilà euh, c'est voilà c'est rigolo on s'est bien marré, voilà la vidéo vous avez vu le vous avez vu le, le jeu mais voilà ce que j'ai vraiment pensé du jeu et je, on se prend mais un torrent de merde de la part donc de ce très haut responsable hein, qui, euh, si je dis, là, si je disais son nom, vous sauriez vous tout ce qu'il sait. Ouais. Euh, qui maintenant est dans le foot, je crois. Euh, mais euh, on se prend un torrent de chiasses. Euh, mais, mais vraiment le mec il nous menace en mode genre je vais faire fermer votre chaîne je vais, ah, a... oui. je vais appeler votre régie pub et ils vont vous virer t'es es vraiment t'es en mode wow tes premières op euh, comme ça et du coup on a fait ouais, c bon, on vous rend l'argent et, on... et, et, et du coup cette vidéo n'est jamais sortie donc ça c'était nos premières op se sont mal passées euh, tout ça pour dire mais c'est assez marrant parce que du coup moi, moi j'avais quand même pensé que la vie... pour qu'ils réagissent de cette manière ouais. en quelque sorte genre elle était sortie quoi tu vois ah non 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 c'est euh, c'est euh, ils nous avaient menacé en fait parce qu'en qu fait ils voulait qu'on retire le segment euh, où on, do on donnait notre avis sur le jeu en fait et, euh, et bah, du coup on a dit bah non on va pas mentir aux gens après on passe pour des ploucs on veut c'est on passe pour des on passe pour des bouffons surtout euh, mm -hmm. les gens ils vont le voir que le jeu il est pas bien c'est hein, euh, on arrive en faisant ouais, meilleur jeu du monde trop cool t'sais, les gens vont dire Attends, vous foutez de notre gueule quoi donc euh, et donc du coup euh, du coup ça c'est bah, voilà le, nos, nos premières op nous ont vraiment refroidi quoi. <laughs> ça, ça, ça vous a vraiment mis dans le bain <laughs> ouais. comment ça fonctionne c'est pour ça qu'après quand on a commencé à nous proposer des nouvelles on était en mode. Ouais! L'argent maudit! Ouais, 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 ouais. Alors, alors on, on vous allez signer tous les trucs qui disent qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ça avait bien, ça si bien. Ça, ça fait une petite expérience. Ouais. En, en 2017-2018, à l'époque, il y avait un gros débat autour de YouTube et de la télé, mmh. notamment initié par toi-même, j'ai envie de te dire. Tu, tu disais que YouTube, c'était comme un peu de la télé, mais sans moyens, voilà, que ça s'en approchait vraiment beaucoup, que la consommation avait évolué, ouais. que les gens étaient plus en mode fast-food, en quelque ouais. sorte. Ils venaient, ils consommaient, ils partaient, que le contenu travaillé, entre guillemets, n'était pas vraiment encouragé, que ce soit par la plateforme ou même par le public. Euh, ça avait provoqué beaucoup de débats à l'époque, ouais, ouais. avec un peu de recul, parce que maintenant cette question elle a un petit peu 5 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas à l'heure actuelle Ou peut-être que ça a évolué dans un bon comme dans un mauvais sens Ou que c'est toujours pareil Ah, ben bah, euh, le truc c'est qu'en fait, là où mon avis a évolué, c'est que maintenant je me prends plus la tête là-dessus. Faites ce que vous voulez, tu vois, Mais euh, par contre, non seulement euh, je le pense toujours, mais en plus maintenant c'est là. Ce que, disais, ce que je disais il y a trois ans, c'est passé. Donc c'est euh, genre... Euh, c'est pas genre, je le pense. C'est est est, est factuel, vous quoi. C'est factuel. Maintenant, vous l'avez dans les yeux. Euh, et d'ailleurs, on le voit que les gens se désintéressent de YouTube maintenant. YouTube, la plateforme se casse la gueule. YouTube, c'est une plateforme qui est destinée à crever dans les années qui viennent. Ah ouais, tu penses Ouais, je pense. Je pense. pense. C'est pas... une plateforme qui n'est plus adaptée à ce que les gens recherchent. En fait, les, les gens, maintenant... Et ça, je l'avais déjà dit à l'époque. Les gens veulent du spontané. Les gens... C'est pour ça que les vidéos écrites marchent moins... Mais même les, le problème c'est que donc les gens vont consommer du spontané, euh, du, ce qui a l'air d'être spontané, ce qui a l'air d'être réel. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment il va y avoir une indigestion parce que quand tout le monde fait ça, euh, du spontané, du, quand tout le monde fait du spontané, ben au bout d'un moment c'est à l'impression de, 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 de juste regarder. Euh, Pff, tout le temps la même chose et, 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 et moi je le vois très souvent maintenant de gens qui, qui disent sur je le vois sur Twitter de gens qui disent euh, ouais vous avez arrêté de regarder YouTube vous aussi ouais, moi aussi ça me fait chier tu sais voilà et que mais je les comprends. T'as un petit feeling de pente descendante qui va, genre, avec ah, un je... sorte de truc, qui va s'auto-alimenter jusqu'à. Je... Mais, euh... je... mais je, mais je me. J'en suis sûr. En fait, pour moi, la... au niveau du gaming, déjà, le gaming, c'est complètement délocalisé sur Twitch. Le gaming sur YouTube, c'est fini. De toute façon, il faut voir maintenant YouTube, ça n'est plus qu'une plateforme de VOD pour Twitch. Euh, mais euh, au, au niveau, euh, au niveau du reste, ouais, je pense que ça va, ça va suivre aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, le, les commentaires quand tu es sur twitch les commentaires de, de, de ce qui se passe est aussi important que ce qui se passe à l'écran en fait donc ça veut dire parce que très souvent tu vas regarder un truc qui est marrant genre hey, c'est marrant ce qu'il a dit le streamer et tu vas autant rigoler de ce que le streamer a dit de ce que ce qui, ce qui se dit dans le chat tu vois et là ça youtube ne le fait pas parce que youtube il n'y a aucun contact en fait okay. avec les gens c'est à froid quoi c'est à youtube le youtubeur il arrive il poste sa vidéo il s'en va euh, ils peuvent dire, hey, les gars, commentez la vidéo. Euh, J'adore lire vos commentaires. T'as mon cul. Trois <laughs> <laughs> top commentaires. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas lire un petit peu les commentaires pendant 20 minutes. Mais après, tu vas arrêter. Moi, moi, c'est pareil. Quand, quand, ma, quand ma vidéo elle est sortie, j'ai lu les commentaires pendant deux heures et puis après, j'ai arrêté. Je sais pas que ça va faire. Je vais pas tout le matin lire, mmh, lire les commentaires. Enfin, voilà. C'est euh, donc, euh, je pense que YouTube n'est plus adapté à l'heure actuelle à ce que recherchent les gens. Euh, et c'est pour ça qu'ils essayent de concurrencer euh, TikTok avec les shorts. Hein. C'est une, une tentative désespérée de revenir dans le game. t'en en ayant t -t tenté YouTube Gaming pour les lives. Ouais, voilà, tout en. Et il faut qu'il s'est planté, hein, d'ailleurs, YouTube Gaming aussi. Mais euh, j'ai une veste YouTube Gaming, c'est une relique, je la garde, c'est trop marrant. Es. C'est <laughs> comme si j'avais si un. Ça existait. Un, un, un Mugs MySpace. <laughs> et, euh, et du coup, euh, je, je, le, pro, le truc, voilà, c'est qu'il n'y a, a pas cette proximité. C'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que le, le, le créateur, il a. Arrive, il peut lire les commentaires il peut réagir il peut discuter alors il y a beaucoup moins de monde mais on s'en fout tu vois c'est euh, t'as vraiment un retour direct mmh. c'est quelqu'un dit ah j'ai pensé ça ah ouais tu as pensé ça mais pourquoi ah, ben, moi je pense ça ah ouais mais si j'ai fait ça tu, tu peux tu peux, parler, ouais. tu, peux ouais, ouais, tu vois sûr. voilà et sur twitch le, le, le viewer est aussi moins exigeant parce que sur twitch le, les gens vont euh, tolérer euh, vont tolérer que sur un, vidéo, un live de 4 heures tu vas pas tu vas pas te donner de te plier de rire pendant 4 heures. tu vois. Euh, tu, Les gens vont tolérer que pendant, pendant sur un live de 4 heures, tu vas te faire chier 3 heures mais tu vas avoir du fun pendant une heure. Mais finalement, c'est pour ça que tu es là. Et, et donc, je, moi, je pense que, que ce, ce truc où le youtubeur arrive, poste sa vidéo, s'en va et les gens réagissent en postant un commentaire dans le vide C'est pas, pas quelque chance, chose qui va rester. C'est pas, euh, pas possible. D'accord. C'est pas possible. Je, 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 moi, j'ai une solution là-dessus. Euh, mais je, je pense que YouTube y viendra un jour. C'est le système SoundCloud. C'est dans SoundCloud, quand tu écoutes une musique, tu peux, tu peux dire, euh, si tu as une montée musicale à un moment donné, tu peux dire euh, précisément au moment où il y a une montée musicale, des commentaires au, euh, à la minute. Exactement. Voilà. Euh, Nico Nico le fait aussi en vidéo. Nico Nico, qui est le, le YouTube japonais, euh, tu as les commentaires qui, qui, qui apparaissent en fonction du moment de la vidéo et du coup les, le, la, la personne tu peux tu peux le désactiver mais la personne qui va regarder la vidéo ça rend le truc interactif elle, exactement ça rend le truc interactif et ça je pense que c'est une des solutions qui pourrait améliorer le truc de YouTube parce que là à l'heure actuelle YouTube il y a un peu ce feeling de c'est euh, le vieux site à papa un peu tu tu vois ce que je veux dire ça, sait, ça plus le temps passe plus YouTube ça fait un peu genre le Facebook de la vidéo tu vois tu vois okay, okay, okay qu qu ce que je veux dire ça, quand même mine de rien c'est des mots forts tu vois je trouve que t'es un peu dur quand même sur la chose tu vois ouais. après c'est sans doute tu vois ton expérience ton avis et tout mais euh, t -t tu penses pas alors je me permets je demande tu tu penses pas que par exemple le fait euh, moi par exemple tu, mm. tu vois genre je Twitch et YouTube je les sépare un petit peu Twitch mm. pour moi c'est du live avec la qualité d'un live les qualités et les défauts d'un live par contre pour moi sur YouTube il y a des choses que tu peux porter un peu plus loin à un autre niveau la vidéo à froid ça a aussi ses qualités qui sont différentes de celles d'un live Exemple concret, moi par exemple, je suivais des créateurs, genre par exemple des Doc7, des choses comme ça, des mecs qui vont faire des recherches, te de compiler ça avec un montage sympa, te permettre de regarder ça à tout moment et ouais. t'as pas besoin d'être constamment là et t'as pas besoin de passer par la VOD, même s'il y a aussi les best-of pour ça. Et tu vois, YouTube permet d'héberger ce genre de choses qui sont divertissantes quand tu manges entre midi et deux, quand mm -hmm. tu rentres le soir du taf ou des trucs comme ça. Et c'est pas toujours des contenus qui ont euh, la mise en avant ou euh, les vues qui méritent, euh... mais ça se regarde quand même et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront friands et qui voudront regarder ça et ça passera pas toujours par le live, tu penses pas Je suis d'accord, mais la vulga se casse la gueule hein, en termes de vues. Actuellement, toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube. Et je parle, nous, on, on fait moins de vues qu'avant, mais ça va aussi pour Michou, Inoxtag euh, ou les vulgarisateurs, hein, Doc Seven, euh, mm. Léo Grasset. Toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube, c'est un phénomène général. Euh, donc, euh, et, et, il faut comprendre pourquoi, en fait... Euh, mais c'est aussi. Il y, y a très certainement plusieurs raisons, hein, ce n'est pas qu'une raison. Je pense que moi, c'est qu'il y, y a une surabondance du, qualité, de, une surabondance du contenu de piètre qualité, mmh. euh, peut-être. Il y a aussi une surabondance du contenu officiel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est que maintenant, YouTube. Tu vas tu sur la page Tendance, 80% des, des, des tendances, c'est des trucs officiels. C'est des clips de rap, c'est des, des, des trucs postés par des, euh, par des, par des chaînes officielles. Les vévo les, les vévo, les compagnies de ça. C'est les Vévo, machin, etc. Donc, as, ben, au final, tu n'as plus ce sentiment de euh, faites vos vidéos vous-même. Tu l'as plus, ça en Vrai, tu as, as plus l'impression que genre la, les, la, la majorité du contenu c'est juste des, des, des machins officiels et des chaînes, la chaîne officielle Universal Music qui vient poster sa musique, mmh. et l'autre côté, euh, les, les, les 20% restants mis en avant, ça va être des, 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 des vidéos schnapps fait à l'arrache, euh, par, par des youtubeurs que je comprends aussi parce que quand. Quand tu sais que de toute façon, maintenant les, les, les gens ne restent jamais sur une vidéo en entier. C'est de, demander à quelqu'un de rester 10 minutes en entier sur une vidéo, c'est un exploit. C'est les gens ils n'ont pas, pas une concentration de minutes. On sait statistiquement quand tu regardes toutes les chaînes, de, les chaînes de YouTube, toutes les tous les YouTube confondus, tu sais que les gens au bout de quelques minutes ils décrochent. Donc à partir de là, je comprends que les YouTubeurs, ils ont pas envie de se faire se casser le cul à, à faire des méga vidéos mmh. de 30 minutes. Euh... Et... Tu te fais pas chier, tu te bien que le mec qui va rester 4 minutes sur ta vidéo, il, se barrer, il va se barrer après. T'as les grosses Donc, ficelles euh... pour garder le mec constamment, le, le dynamisme peut-être forcé, les choses comme ça Ouais, mais alors, euh, euh, à l'heure actuelle, je pense que 60, 70% du, 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 du nombre de vues d'une vidéo, c'est la miniature. C'est une, une bonne miniature. Une bonne miniature, un bon titre, déjà, t'attire le clic. Parce qu'une fois que le mec il a cliqué. Tu, tu, après, tu peux agiter ton cul dans la caméra pendant, ah ouais, pendant 10 fini, minutes, ouais. c'est pareil, il a, il a cliqué. Bah, c'est le phénomène de l'époque où YouTube, il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes. Maintenant, beaucoup ouais. de demandes, beaucoup d'offres. Donc du mm. coup, euh, ça… C'est ça, c'est comme en fait, il y a tellement de choses à voir en vrai euh, qu'il y a ce phénomène de euh, « je, je, je veux de la vidéo légère », tu vois. C'est « j'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes, je veux de la vidéo légère, je vais cliquer, ouais, pas ouf, je clique ». Ouais, pas ouf, je clique, ouais, pas ouf, je clique, ah, c'est intéressant, au bout de deux minutes, ah, je me fais chier, pas ouf. Tu vois, il y a ce phénomène où tu vas vite, 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 parce que, parce que finalement, maintenant, si tu si as 30 minutes de temps libre à consacrer à quelque chose, tu vas plutôt le consacrer à regarder une série Netflix ou Disney, ou Prime Video, ou machin. En fait, tu as tellement de choses à regarder, tu as tellement de séries maintenant qui sont tellement facilement accessibles, mmh. les séries, que quand tu as du temps réellement, tu vas le consacrer à un gros truc, tu vas pas le consacrer. Donc, euh, donc en fait, ce qui fait que. Tu vas aller sur des sites comme YouTube quand tu as peu de temps. Mmh. Et quand tu as peu de temps, bah, tu vas regarder des vidéos qui ne te demandent pas beaucoup d'investissement. Euh... Enfin, c'est moi ouais, mo ce que je pense. Hein, moi, moi, je pense c'est certains... par catégorie de personnes. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, la catégorie de personnes que tu décris, bah, c'est une réalité. Il euh, y a plein de sé... séries Netflix. Il euh, y avait un reportage sur les réseaux sociaux, l'impact que ça a sur ta concentration. Ça, on en parle même souvent en live, etc. Les mecs ont du mal à rester focus, des trucs comme ça. Donc il y a une catégorie de personnes qui est comme ça et qui va rechercher ce que tu dis, le percutant, le truc direct et tout, machin. Puis après, derrière, il y a une autre catégorie de personnes qui est peut-être un peu moins dans ce carcan, tu vois, et qui du coup peut se plaire à regarder des trucs un peu plus froids, des trucs sûr. un peu plus longs, des trucs un peu... Parce que même ça. si on peut dire que les vues baissent, bon, elles sont quand même, on va dire, pour beaucoup, tu vois, quand même colossales. Et, et, et je pense que même si YouTube était voué à connaître une crise, comme dans toute crise économique, tout ce que tu veux, tu as pas mal de trucs de merde qui vont se casser la gueule, mais ce qui restera, ce sera le plus fort et il restera à construire derrière. Oui non, mais donc, du coup moi je pense que je, je me permets de dire genre je dis pas que tu as tort ou quoi que ce soit ouais, mais j'espère je que, hein. que tu te trompes. Ah oui non mais j'espère mais j'espère que je me trompe. Mais après c'est toujours pareil c'est pas euh, en fait là ce que je décris c'est un public nous nous typiquement euh, euh, on a un peu de chance quand même parce que c'est on a un public qui est quand même globalement niche c'est-à-dire que la, la majorité des gens qui nous regardent c'est des gens qui ont entre euh, entre 25 et 35 ans on va dire. Donc euh, c'est euh, c'est c'est pour ça que on est peut-être moins affecté. Mais mmh. le, le, la baisse des vues globales, c'est quelque chose que je constate, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, qui en parlent, tu vois. C'est... Euh, tout baisse un petit peu. C'est pas genre, c'est pas effondré, c'est pas genre, abondé j'ai perdu 60% de vue C'est plus genre, c'est bizarre, tu vois. C'est genre, quand tu regardes, ça fait pas ça, tu as les vues, ça fait genre, ça défend un peu. Très doucement, petite pente. C'est ça, c'est une toute petite pente qui descend très doucement et très lentement, mais qui descend. Et ça, c'est quelque chose, je vois régulièrement des gens en parler. J'entends, j'entends, j'entends. D'ailleurs, c'est cool que tu aies commencé à parler de Twitch, parce que du coup, j'allais en plus embrayer dessus. Je suis allé voir ton Twitch tracker, si la régie veut bien nous montrer, mais j'ai vu à Partir de, je crois, fin 2019, 2020, courant 2020, vous avez commencé à, à, à streamer, voilà, de plus en plus sérieusement. Alors, ça se voit que tu fais du YouTube en même temps parce que tu pas du tout sur des volumes d'heures de gros Twitchers ouais. qui est là 6 heures par jour, tu je vois. Ouais. J'ai vu, vu, genre, je crois, vous faites 60, 70 heures, 80 heures de stream ouais. par mois, ce qui est quand même de, de à 3 heures par jour, hein, c'est largement respectable. Euh, qu'est-ce qui t'a amené au début sur Twitch euh, Du coup, c'est un peu la curiosité, le fait que le site se développait en parallèle de YouTube, euh, le fait que tu as vu peut-être même des collègues t'y mettre, et qu'est-ce qui qu t'a fait kiffer bah, c'est un mélange de plein de trucs. En vrai, c'est déjà effectivement, bah, j'ai des, des gens que je connais sur Twitch. Euh, bah, Antoine, hein. Antoine, qui est un pote depuis très longtemps. Enfin, on se connaît de, 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 de l'époque de YouTube. Et, euh, et on, enfin, on se voyait ensemble à les conventions. Moi, j'adore Antoine. C'est vraiment, vraiment un, un ami. Et euh, du coup, euh, et du coup, bah, le truc, c'est que sur YouTube, on est seul. Quoi, en fait, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu arrives tu fais ta vidéo dans ton coin, tu la poses, tu t'en vas et tu passes à la vidéo suivante. Là où euh, sur euh, sur Twitch, il y a moi, ce, ce, et, et en fait, et plus le temps passe, plus ben, les gens que je connaissais, ils disparaissent. Tu vois, c'est donc es euh, enfin Fanta, il est plus là, euh, Mathieu, il s'est arrêté, bon, il a repris maintenant. Euh, et, et donc, il y a ce truc où où ça s'étiole et tu vois les gens avec qui, euh, les gens que tu voyais en convention, que tu vois plus, euh, Link's The Sun, il reste un peu dans son coin maintenant, tu vois, c'est... Et... Un passage de génération, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et du coup, t es, t es, t es, tu te sens un peu... C'est un peu le, le côté euh, dernier des Mohicans tu vois. <rire> <rire> je, je suis solo là, quand même, sur ouais. mon île. Et il euh, et, 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 et y en a plein d'autres, hein, des YouTubers, mais j'ai aucun... J'ai euh, aucun point d'accroche avec eux, tu vois. je pas à m'approcher de, de Michou et Inokstag et faire euh, yo les jeunes <laughs> What's up fellow kids <rire> <rire> ah, tiens, donc euh, tu on a on a deux générations d'écart ben oui, euh, je me vois enfin euh, et donc euh, les, et le truc c'est qu'on a même plus les mêmes les, les, on a même plus la même vision du, du, de YouTube tu non vois pas du tout c'est euh, c'est maintenant c'est plus des influenceurs tu vois les gens qui avaient dessus alors qu'à l'époque quand on a commencé, c'était des gens qui faisaient de la vidéo. Des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Et c'est deux de choses qui sont différentes. C'est juste pas le même métier, en fait. Et, euh, et, et donc, sur, sur Twitch, c'est cool parce qu'il y a des gens. Enfin, il y a ce côté où on pouvait bah, voilà, jouer, jouer avec des gens. Et aussi, bah, le public, c'est con, mais c est, c est, moi, j'aime bien parler avec. Moi, c'est pour ça que j'allais en convention. C'est que j'aime bien parler avec les gens. J'aime bien juste réagir, parler avec les gens, discuter avec eux. Moi, quand je, quand je stream le dimanche, je commence toujours par une heure où on fait que discuter, on fait rien d'autre et, et franchement les des, des super streams que j'ai fait c'est quand des fois on ne fait que discuter ou on finit ou euh, genre euh, qu'on finit toujours en faisant euh, en regardant des vieilles vidéos en faisant des anecdotes machin etc pour échanger avec, euh, avec le chat avec, euh, pour échanger avec le chat et c'est super agréable parce que c'est euh, as du contact tu as du contact humain en, en vrai et, euh, et je te dis c'est pour ça que YouTube quand t arrives tu fais ah c'est bon j'ai fini la vidéo un mois de boulot Pff Allez, euh, j'y retourne. à le bousin, Salut. et on y retourne. Là, euh, lire, je vais dire. Et tu vas juste lire, lire lire les commentaires en plus des gens euh, qui vont faire euh, j'ai préféré la deuxième vidéo et j'ai soufflé du nez seulement à la douzième minute. Et tu fais, <laughs> Donc, n'y euh, a pas ce côté chaleureux. Ce a, côté a, un a, peu... En fait, le public de le public de Twitch est beaucoup moins exigeant que le public de YouTube et l'ambiance est bien meilleure sur Twitch que l'ambiance sur YouTube en fait. C'est-à-dire, bon, encore une fois. 98%, c'est très bien sur YouTube, il hein, n'y a pas de problème. Mais on va retenir que les 10% en V. Mais c'est vrai que les commentaires du genre, hmm, euh, c'est sympathique, mais euh, franchement, euh, je pense que j'ai préféré euh, la dernière. Et puis, euh, j'ai seulement rigolé trois fois, alors que d'habitude, je rigole cinq fois. Ouais, hmm. ouais, tu vois. Vois, ça, ça, tu ne le vois que, tu verras jamais ça sur Twitch. Ouais. Tu ne vas jamais voir un mec sur Twitch qui fait. Sympa ta blague, mmh. mais euh, j'ai plus apprécié celle que tu avais fait à la 12e minute du stream de jeudi dernier. Oui, voilà. Tu vois, non. bel exemple, bel exemple. Donc, euh, ça, voilà, Et pourtant, ces commentaires, ils existent et ça te prend la tête. ça mais c'est vrai. Mais, mais, Domingo, il en parlait à un moment dans, dans Popcorn, c'est l'effet prof de maths un peu, ouais. tu vois. C'est-à-dire que, genre, Popcorn, tu vois, en live, tu vas regarder, bah, du coup, le live, et même si tu regardes une VOD sur Twitch avec le chat à côté, ouais. le chat a ses réactions, voilà, t'attaques. Je vais regarder la VOD sur YouTube, des profs de maths. C'est-à-dire. Ouais, cette semaine, Marie, pas ouf. Ouais, Zach, on devrait arrêter de l'inviter. Les gens sur YouTube analysent leur fun. C'est. C'est ça C'est terrible, analyser son fun. C'est vraiment. T'as regardé un contenu et tu vas faire. Alors, voyons, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je me suis amusé Mettez le sourire là, c'était C'est un truc de Bref, et, et donc ça, c'est aussi un truc qui est vachement agréable sur, sur, sur Twitch, c'est le côté détendu. Voilà, ça, et puis après, on va se le cacher, hein, il y a, y, a, y, a y a de la thune. <laughs> ça a... Ah, on a, eh, euh... Utile à l'agréable. Non, non mais on passe le cacher, YouTube, c'est euh, Antoine qui le dit, c'est 100 fois mieux payé pour 100 fois moins de boulot que, que Twitch. Enfin, Twitch que YouTube, je veux dire, pardon. Tu trouves que Twitch, ça a moins de boulot Oui. Moi, je, je pense que ça dépend du tu moi, une vidéo YouTube me prend moins de temps, et pourtant, les deux, à la fin, me ramènent plus de... Enfin, autant que thunes, à peu près. Ah ouais Ouais, ça dépend. Mais après, parce que, franchement, je suis très conscient de la valeur de mon contenu. Je fais pas vos grosses réalisations, mmh. tu vois. Qui... Moi, je suis capable de sortir deux, trois vidéos dans la semaine, tu vois, parce que mon contenu est beaucoup plus facile à faire. Mais donc, du coup, à la fin, et c'est là où tu vois qu'il y a quand même différentes euh, trucs, moi, Twitch me prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Par rapport, tu sais, quand tu fais 120, 130 heures par mois, par, et pour ce que ça rapporte par rapport mmh. à YouTube, ou à l'inverse, bah YouTube, moi, ça me ramène plus, plus d'argent, plus vite. Par rapport à Twitch, D'accord. Après, nous, c'est pareil, parce que c'est le truc, c'est qu'il n'y a que moi qui fais du stream pour l'instant. Sabine il n'en fait pas encore, ça va venir. Mais du coup, moi, je trouve que c'est. Après, voilà, c'est par rapport au type de vidéo qu'on fait sur YouTube. Bien sûr, bien sûr. Twitch, c'est moins de boulot. C'est juste, tu arrives, tu lances la caméra, tu t'amuses, tu rigoles avec des potes, tu coupes la caméra, il y a quelqu'un qui fait un best-of, c'est bon. voilà bien sûr, bien sûr. Moi, oui, c'est moins de travail. D'ailleurs, avec le développement un peu des YouTubeurs, des projets, des Contenu, il bah, y a les créateurs qui se staffent de plus en plus. Ça prend maintenant bah, des monteurs, des chefs de projet, des chefs mm. de prod, des graphistes, et compagnie. Euh, beaucoup ont du mal à déléguer de prime abord, mais ils arrivent petit à petit avec le temps, l'évolution et tout. Euh, concrètement, comment elle fonctionne votre chaîne à l'heure actuelle euh, Chaîne YouTube. Euh, alors la chaîne YouTube. Le fonctionnement en gros de la boîte. Ouais, on est cinq. Euh, donc il y a moi et, Seb, euh... moi et Seb, et Karim, Karim Debaege, donc euh, qui euh, on écrit à trois. Euh, ensuite, on a Nico, qui est là depuis des années, euh, qui est donc notre ingé son. Okay. Euh, après, on est tous multifonctions en fait. Et ensuite, on a euh, Panda, qui est donc notre chargé de prod. Qui lui va s'occuper, notamment quand on a des gros tournages, de trouver. Euh, on lui dit voilà, il nous faut, euh, il nous faut ça. Euh, il va prendre contact, il va envoyer les mails, il va s'occuper des réservations, des devis, des machins. Il va venir figurant, il va sélectionner les figurants. Enfin donc il s'est chargé de prod, faire en sorte que les choses se fassent. C'est le, tous les trucs chiants qu'on veut plus faire en fait. C'est lui qui les fait malheureusement <laughs> pour lui. Euh, et euh, ensuite, depuis très récemment, on a Jess euh, qui est donc notre euh, régisseuse en, en quelque sorte qui est euh, Madame je fais tout Quand en gros c'est c'est euh, j'ai besoin de chauves-souris qui volent euh, fabrique-moi ça et hop elle y va c'est il faut juste quelqu'un qui soit doué de, de ses mains et qui euh, et qui, euh, qui, qui, qui qui organise les ma le matos qui crave des trucs après, un peu voilà. d'idées un peu d'imagination de la de la débrouille c'est faut de la, de la débrouille un pot de colle du un pot de colle du scotch un bâton et, et on y va et on y va c'est euh, donc euh, voilà ça c'est toute l'équipe après on est tous un peu multifonction parce que par exemple euh, Seb, Karim et moi, on écrit ensemble, mais sur les tournages, ça va être par exemple très souvent Seb qui va cadrer et moi, parce que moi je suis devant la caméra donc je peux pas. Voilà. Euh, Karim, il va s'occuper plus de la lumière. Ensuite, Jess, elle va tourner un petit peu à tous les postes. Nico, qui est notre ingé son, il va prendre le son, mais aussi par exemple, il va monter des vidéos sur le bazar du grenier. C'est lui par exemple qui monte les narratifs ou qui me fait, euh, le, qui me fait un pré-montage par exemple pour les gens en vrac. Mmh. Euh, après, pour le reste, pour le montage, par contre, ça on le fait toujours nous. C'est-à-dire, les JDG, c'est toujours moi et Seb qui les montons. Karim il s'occupe de la colo il va s'occuper de quelques effets spéciaux après on a des gens qui gravitent autour de nous ouais. on a des, 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 des gens qui sont ponctuels des prestataires mais qui aident ouais, pour un ou deux projets c'est des potes notamment on a les gens de Post Process qui sont une, une ancienne émission de, de JVC qui, qui font de la 3D pour nous des fois qui nous aident à, à réaliser des trucs donc il y a des gens qui interviennent de manière ponctuelle comme ça mais sinon ouais, le cœur de l'équipe c'est 5 six personnes et, et moi, moi le truc que je trouve ouf c'est que vous faites encore le montage vous même Ouais, parce que euh, je pense que le montage fait autant, ça donne autant, ça fait par, autant partie de l'écriture. On dit souvent qu'une vidéo, tu la, tu la, tu la crées à l'écriture, tu la détruis au tournage et tu la refais au montage. En fait, et, euh, et donc le montage, ça fait autant partie de l'identité que tu injectes dans une vidéo euh, que, que quand tu as écrit la vidéo. Donc, euh, si, jamais on, si jamais, je ne montais pas, en fait, le truc, c'est qu'il faut voir aussi j'ai une manière particulièrement pas adaptée de monter. C'est-à-dire que très souvent, on va, on va écrire la vidéo, on va la tourner, on va la monter. Ça, il va monter toute la partie avec les, les, les effets spéciaux, toutes les parties mises en scène. Moi, je vais monter uniquement la partie test. Moi, je me contente, je, je fais toujours la partie test, mais en fait, euh, et ensuite on va se rendre compte de, ah bon ok, alors ce gag il est cringe, on va le refaire, ça ça marche pas, euh, là il y a, y a 30 secondes ou pendant 30 secondes on fait que parler et on se fait chier, euh, il faudrait rajouter un truc un peu drôle, tu vois, on va, et on va re, refaire ce okay. qu'on appelle des rustines euh, pour euh, réarranger la vidéo pour qu'elle soit plus euh, plus fun et mieux à la fin. donc euh, Or si je filais la vidéo a monté à monter à quelqu'un, il regarderait le script, il montrait ce qu'il y a dans le script et basta. Et après, il Il n'aurait pas tout ce côté personnalité que vous y injectez ça. en aura... retravaillant le truc. Il y aurait pas le, il pourrait pas retravailler parce qu'il n'aurait pas été là à l'écriture. Le truc, c'est que nous, on est là à l'écriture, donc on sait, on, on, on voit l'esprit qu'on veut donner dans une vidéo. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est, on a, il faut que ce soit nous qui ouais. montions, euh, je, je pense, je pour que le truc soit original et vous ressemble quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Et, euh, petite question vite, fait. Rustine. Euh, ce que ça veut dire, tu veux dire ouais, 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 euh, que... les, les rustines, c'est le, euh, ce qu'on ce qu appelle. J'ai compris l'idée, mais je voulais. Ouais, les rustines, c'est en gros, c'est quand on, on a fini l'écriture et le, et le, le tournage, enfin euh, le, le montage même. On a fini le montage et on regarde le truc et on fait ça, ça marche pas, cette blague elle est pas ouf, ça c'est pas compréhensible. On va changer, on va réécrire un petit peu, le, retoucher, retoucher un petit peu le script retourner, et on va retourner un truc et remonter le truc pour que la chute soit drôle en fait. Ouais. J'ai capté. Ok, super, merci, nickel, excellent. Euh, de notre temps, beaucoup reprochent euh, du coup au, au jeu de ne plus euh, sortir fini, tu vois. Mm. Et euh, une des phrases qu'on entend le plus, c est, c est, enfin moi ça me fait assez rire, c'est que avec l'évolution technologique, les connexions, la fibre, tout ça machin, euh, les studios se permettent à des moments de sortir des produits pas finis et euh, en se disant bah tiens de toute façon au pire je pourrais le patcher, ajouter un truc, etc, faire revenir les gens de cette manière et tant pis euh, si le jeu n'est pas fini et euh, aura des critiques, il y aura toujours y certains certaines personnes pas très exigeantes qui seront toujours satisfaites de ça. Et paradoxalement beaucoup fantasme aussi à l'époque en se disant ouais à l'époque ils pouvaient pas se permettre ceci donc ce principe de patchs, etc. Donc les jeux sortaient plus finis, même si certains étaient buggés. Qu'est-ce que tu penses, du bah, coup, toi, de cette façon de penser bah Après, à l'époque, les jeux sortaient. Euh... Le truc, c'est qu'à l'époque, on faisait des jeux à 20 personnes. Hein. C'est <laughs> à l'époque, les jeux, on les faisait en 4 mois et avec un studio de, de 10-20 personnes, grand maximum. Là, maintenant, euh, les, les jeux, je, je peux comprendre. Enfin. Je le justifie pas, mais je le comprends du moins. C'est euh, des investissements, c'est des, des studios de 500 000, voire plus, euh, de gens qui travaillent à temps plein sur un jeu pendant, euh, pendant 5 ans. Euh, ouais, je, je, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils sont en mode bon, là, faut que ça sorte. Tu vois. Euh, parce qu'un jeu vidéo, c'est comme une œuvre d'art, c'est jamais fini. Il y a juste un moment, bah, tu l'abandonnes, tu arrêtes de travailler dessus et tu dis, bon, ben voilà, maintenant ça y est, c'est dans un état où je le sors. Donc euh, après, il y, y en a qui en abusent, hein, tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec Cyberpunk, euh, mmh. clairement, le jeu, il est. Pas fini quand même. Hein, sort... dire, quand ouais, ça ouais. se fait qu'un Cyberpunk, un Star Citizen, un BF 2042. Alors Star Citizen, ou... c'est une pré-alpha, ça n'a rien à voir, le jeu n'est pas encore sorti techniquement, euh, bon. <laughs> mais, euh, il est vrai. Mais, euh, mais par contre, Cyberpunk, oui, Cyberpunk, le jeu, il, est... il sort, on te dit voilà, c'est prêt, et tu le manges, c'est froid, c'est trop chaud dehors, c'est cru... cru dedans, tu vois. Mais. Euh... Ouais, c est, c est, enfin je, je, je comprends. Je, je comprends pourquoi ils font ça, mais euh, après, euh, ça ne justifie pas. Je pense que c'est toujours pareil, c'est les éditeurs. C'est pas les développeurs. Hein, c'est ce les... que tu disais plus tôt, la pression, il faut ça, sortir oui. quelque chose de la deadline. Ah, c'est évidemment, c'est les éditeurs. Hein, c'est les éditeurs qui disent, bon, ben maintenant, euh, ça, sort tel, ça sort à telle date, fini ou pas, ça sort. Euh, et donc, ben, les, du coup, les mecs, ils le sortent comme ça et après, ils se dépêchent de cravacher pour euh, faire le patch day one. Et quand ils n'ont pas le temps, ben, ça sera le patch 1.1, euh, mm -hmm. voilà. Voilà. Et la question étant du coup, c'est que vis-à-vis -vis de cette remarque, c'est-à-dire à, à l'heure actuelle, ils se permettent ça et donc du coup les jeux sortent de moins en moins sortis. Et à l'époque, vu qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, ils, ils sortaient souvent bah, du coup plus complet. Tu es d'accord ouais. avec ça ou pas du tout Toi qui as du coup beaucoup joué à des jeux à l'époque où il n'y avait pas ces patchs-là bah, Oui, je, je suis d'accord, mais c'est normal. Parce qu'encore une fois, ce que je dis. À l'époque, les jeux, tu les faisais avec. Euh, C'était euh, 4 mois de développement avec euh, 10 personnes. Donc évidemment que le. Voilà, quoi, tu vois c'est euh, même pas c'est même pas une question de ah oui mais à l'époque ils pouvaient pas se le permettre. Oui, c'est vrai qu'ils pouvaient pas se le permettre, il n'y avait pas internet donc tu pouvais pas télécharger les patches. même s'il euh, y en a eu des patches... Euh, ouais, alors, en 97, tu avais des patches euh, pour Baldur's Gate hein, tu vois donc euh, a, ça existait déjà. Mais c'est euh, c'est juste que, que oui ben bah, c'est euh, maintenant ça en fait la différence c'est que le, le concept de sortir un jeu pas fini ça n'existait pas. Okay. Ça oui, ça d'accord. C'est c'est tu sortais le, le jeu il y avait des problèmes, mais il était fini. Tu vois, après tu sortais des patchs correctifs, machin, etc., pour améliorer l'expérience de jeu. Mais tu sortais le jeu, il était déjà fini quand même. C'est euh, la différence où maintenant, c'est effectivement, tu vas sortir le jeu en early access. Ça, c'est le truc. Que, voilà, c'est euh, c'est le, le jeu. on te sort un jeu en early access, c'est systématique. Maintenant, tous les jeux ils sortent en early access. C'est je pense que c'est parce que aussi on est sur des budgets qui sont tellement gros qu'ils ont envie de, de, de rentabiliser, de capitaliser, hein, euh... de capitaliser dessus le plus vite possible. Je capte. YouTube a beaucoup évolué on en parlait juste avant la monétisation les algorithmes l'onglet tendance etc euh, et enfin la façon de consommer aussi qui a changé notamment euh, de l'abonnement à la page d'accueil voilà, beaucoup de gens à l'époque, en tout cas en 2013, 14, 15, étaient constamment et même ta provenance de vue venait beaucoup de manière générale de l'onglet abonnement. Maintenant, c'est beaucoup plus de la page d'accueil, donc c'est à dire que l'algorithme YouTube va avoir beaucoup plus des recommandations, ouais, ouais. des recommandations ouais. et même de ouais, ce que j'appelle page d'accueil recommandations. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette évolution dans la façon de consommer et de la surprésence peut-être tu vois de cet algorithme qui a entre guillemets même droit de vie ou de mort sur. Euh, bah c'est. Ouais, J'ai envie de dire c'est la règle du jeu, ma pauvre Lucette. Hein, <laughs> malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est ça... enfin, chiant, mais euh, ça ne changera pas. De toute façon, YouTube, ils mentent. Hein. De toute façon, tout le temps... C'est euh... <laughs> des mythos, quoi. Ah, non, non mais ils, ils ont beau te dire mais « Non, mais ça n'existe pas, l'algorithme, pas vrai, euh, bah, c'est faux. » Tu sais, je veux dire, il y, y a des gens... On a bien vu quand ils, ont, ils avaient craqué euh, le... Ils avaient craqué les, 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 le code de YouTube. Il y a eu une, une, un truc de quelques heures où, où ils avaient, il y avait une, une faille de sécurité sur YouTube et les gens avaient pu voir le classement des YouTubeurs. Il y a un classement des YouTubeurs qui existe avec euh, classé de, de super safe à attention ne pas trop mettre en avant. Tu ouais. vois, cette liste, elle existe. On le sait, on l'a vu. Et après, YouTube, il fait non, 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 c'est le hasard. Euh, on a juste classé les YouTubeurs de A à D. Euh, c'est euh, purement par hasard. C'est l'alphabet. C'est euh, l'alphabet. Ouais, <laughs> voilà. Euh, Amixem, amix c'est A. Voilà, c'est le hasard. Et ouais. c est, c est, c est... Mais, euh, mais non, cette liste, elle existe. Donc, je, nous, on n'est pas trop mal placé, mais on est en, dans, dans la deuxième partie d'un... De, de, enfin, on est en, en, en B-, je crois, un truc comme ça. En fait, c est, c est, c est en fait le truc, c'est que c'est classé pour les enfants, en fait. Hein, c'est la, la, la grande hypocrisie. Hein, c'est que normalement, t'as pas le droit d'avoir un compte YouTube, tu t'as pas le droit d'aller sur YouTube si as moins de 13 ans. Sauf que, en vrai, euh, les YouTubeurs, ils sont classés euh, par Kids Friendly, tu vois. Donc, euh, par exemple, un mec comme Amixem, qui va... Jamais avoir, euh, qui va jamais, jamais dire caca dans ses vidéos euh, parce que c'est vulgaire, tu vois, ben, il est classé en AAA, enfin, parce que voilà, parce qu'il est, est, est ultra kids friendly, tu vois. Et, euh, et donc, oui, il ben, euh, y a un algorithme, il y a un classement des youtubeurs et, et, et ça fait chier, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, encore une fois, je te dis, nous, c'est. Ça fait longtemps qu'on ne vit. Le en... joueur du grenier, c'est une chaîne qui n'attire plus un, un public nouveau, en fait. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est à, inévitablement amené à disparaître aussi. Ah ouais, ça parce... vit sur son sur ses anciens. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est euh, c'est on ne les, les jeunes maintenant ils connaissent pas le joueur du grenier. Les jeunes ils connaissent iNoxTag, ils connaissent Michou, ils connaissent le Bouzeux, enfin ou. Où voilà mais ils connaissent pas joueur du grenier parce que de toute façon c'est pas adapté pour eux tu vois c'est c'est un humour qui est un peu spécifique c'est un humour ça parle de trucs qui ont 40 ans la NES ça a quasiment 40 ans tu vois ça ça parle de vieux machins et puis même c'est des fois alors des fois il y a des surprises des fois il y en a qui découvrent c'est souvent par le grand frère tu vois c'est le grand frère la grande soeur qui transmet et c'est comme ça qu'ils font ah ouais c'est super j'aime bien et c'est cool ça fait plaisir tu vois quand on envoie des jeunes qui arrivent mais en fait on sait très bien que c'est que c'est pas la majorité de notre public, c'est des gens qui ont Bien entre sûr. 25 et 35 ans à l'heure actuelle, c'est la, la plus grosse partie. Ouais. Je crois que c'est 60% des gens qui nous regardent, ils ont entre 25 et 35 ans. Et, et donc, c'est euh, un public qui plus il plus va vieillir. Plus il va avoir autre chose à foutre que d'aller sur YouTube regarder des vidéos, tu vois. Donc, euh... Ah oui, quand il y a le marmot qui gueule derrière. Euh... Exactement. Et c'est ça, Moi hein. nous, quand on a commencé, euh, on, a eu des, euh, on a eu des couples qui se sont formés dans les files d'attente, dans les conventions. <laughs> Joueur du Grenier, c'est devenu un truc quasiment familial, là, hein, maintenant. C'est marrant, on va dire. C'est vrai, mais c'est marrant. C est, c est, on a commencé, c'était beaucoup... Quand on a commencé, c'était beaucoup des gens qui avaient 20 ans, tu vois. Qui, qui genre, ah, je me souviens, j'ai eu la PlayStation quand j'avais 10 ans. Maintenant, euh, voilà, encore une fois, le PlayStation, c'était en 97, c'est... Euh, voilà. euh, et maintenant, c'est plus de... C'était plus ce genre, hey, « Eh, je me souviens de toi, euh, j'avais 14 ans quand je t'ai connu. » Et quand on les revoit, c'est hey, « je me souviens de toi, enfin, je, je te regarde toujours avec mon enfant. <laughs> » ça, ça, ça remet les choses en perspective, <rire> quoi. <rire> ouais. ouais, complètement. <laughs> ah, c'est marrant. Ce principe, je, je l'écoutais il y a pas si longtemps dans un podcast, euh, ce principe, quand tu es créateur de contenu ou même de musique ou de quoi que ce soit, de, de devoir, à un moment, pour perdurer rajeunir ta fanbase et donc du coup à, des, à un moment ou à un autre tu arrivé au dilemme au ouais, de non. devoir tourner le dos aux anciens non c'est ça, ça, ça c'est mort ça pour moi c'est en fait le truc c'est que j'ai eu des, des trucs de notamment sur les JDG en revanche c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire d'ailleurs où ou c'était du, du, monté comme du Squeezie 2015. Ouais. C'était vraiment genre ultra énervé, ultra, ultra épileptique. Euh... Ouais, grosso Exactement. Exactement. Euh, après, ça reste moi qui m'énerve sur un jeu vidéo. C quand, quand je, quand, quand je m'énerve dans un jeu à Revanche, je ne fais pas semblant de m'énerver. Hein, C'est sûr. C'est juste, j'enlève les filtres, je laisse sortir le truc tel que ça vient, et après, je le monte, moi, de manière... En fait, le truc, c'est que quand, quand, quand je veux faire ça, quand je veux faire du jeûne, alors que j'ai 40 ans cette année, j'ai l'impression qu'il y a, une, il y a une, une, une caméra qui me filme à la troisième personne. <laughs> tu vois et, et, et un mec qui fait mais, « Mais mec, mais t'es ridicule. »« Qu'est-ce que tu branles, mais quoi. »« qu'est-ce que tu fais Mais t'as quel âge, espèce de bouffon T'as pas autre chose à faire, là ?» Tu sais, il y a vraiment... vraiment c'est comme s'il y avait un moi qui me regardait en mode... « Je <laughs> <laughs> trop déçu, genre. Ouais, » euh, <laughs> Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas... C'est pas grave. On se contentera des vieux. On se contentera des vieux, c'est bien dit. C'est bien dit, c'est bien dit. D'ailleurs, en parlant de ça, qui a vu un peu les différents tâches de la création de contenu, tu as évoqué plusieurs fois les, les inox, etc. Euh, tu, tu penses quoi de l'évolution de ce métier, de sa manière de faire, de l'avènement de TikTok, des formats rapides, courts, très secs à prendre tout de suite, des réseaux sociaux et compagnie je, Honnêtement, je n'ai pas TikTok. Je... donc je vais pas juger TikTok sachant que je n'ai pas je ne l'ai jamais installé là, tu vois comment ça fonctionne je vois comment ça fonctionne j'y suis. Bon, pff... en fait sur le principe c'est pas différent de Vine hein. donc euh... je vais pas je vais... je vais pas faire le vieux con à dire hey, TikTok c'est nul pff... m'en fous voilà c'est m'en fous <laughs> c'est vraiment j'ai pas de jugement j'ai pas de jugement de j'ai pas de jugement sur la plateforme en elle-même c'est c'est plus euh... pff... c'est plus il y a des gens qui enfin, les... Des fois, c'est un peu genre, regardez, je suis un connard. <laughs> c'est marrant d'être un connard. C est, c est, euh, on, a, on a vu à Wikipedia ici, par exemple, hein, des, des gens qui avaient tout cassé. Euh, ah ouais, 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 voilà. Les fameux TikTokers. Les fameux TikTokers. <laughs> et voilà. Donc, euh, c'est. Euh, faut, 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 faut pas, faut pas tomber dans, dans le. Faut pas devenir le, le plus gros déchet de l'espèce de, de humaine, juste pour attirer des vues à un ah, moment donné. Euh, voilà quoi. Ça s'entend. Cette, cette manière de faire qui pas ouf des fois ouais. on va pas se mentir ça résulte sur des choses euh, pas terribles je me permets comme ça pour euh, histoire de finir gentiment ouais. franchement ça fait une heure et demie on y est je... ah. on passe un bon moment personnellement j'espère que c'est ton cas également dans le chat j'espère que vous appréciez j'espère que les, les, les gens s'amusent dans le chat moi Parce... j'ai pas, pas de retour hein, je pas de ouais, bah, faites coucou euh, après <laughs> voilà, regarde je te mets le chat voilà, faites coucou les gens sont nombreux et ils sont très gentils ils sont très contents euh, après 13 ans de carrière si tu pouvais donner un regret sur ta carrière et à l'inverse une satisfaction me permet de te laisser quelques temps pour réfléchir le temps que le chat débite, tu vois. Alors ah, regardez ils doivent être contents <laughs> là, ils sont là, ils envoient et tout. C'est assez cool, tu vois. Un regret sur la carrière non, euh... Un regret que ce soit un tournage, un contenu, un truc que tu as accepté ou refusé, euh, n'importe. Euh... Tranquillement, regardez vous êtes beau dans le chat oh là, là bébou et je, tout. Je, vous êtes je, bien, je, je réfléchis ouais, un regret sur la carrière. Euh... Peut-être qu'on se soit trop enfermé trop longtemps dans notre format, en fait, et qu'on aurait peut-être dû essayer d'en sortir plus vite. D'accord. Pour, à, à, pour plus donner l'habitude aux gens, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'on a, on, on a donné aux gens, est, on est, il y a trois plats, tu vois. Il y a papier grenier, hors sujet, genre du grenier, rien d'autre. Tu vois. Et, et, et le truc, c'est qu'on les a tellement habitués tellement longtemps que maintenant, si, si on essayait de faire quelque chose d'autre. Les gens feraient Ah, ma soupe n'a pas le même goût que d'habitude <laughs> Donnez-moi ma soupe C'est moins euh... flexible, quoi. Ah, voilà. Donc, mais c'est comme ça. Y a, parce qu'il y a toujours ce truc de je veux pas que ça bouge, mais si ça bouge pas, je m'en vais. C'est toujours le, ce qu'on parlait au début. Euh, donc, peut-être ça. Peut-être de pas avoir plus. À, plus, à, plus De pas de s'être pas plus diversifié plus tôt, moi, je dirais. Mais après, c'est pas trop tard. Hein. On... Bien sûr. On le fait, on le fait, on le fait, on le commence à le faire même. Euh, et puis, une satisfaction. Bah, Un est truc que... où tu particulièrement fier, tu vois. C'est quand même grâce à ça que j'ai rencontré ma femme en fait. Ça... Belle bah ouais parce que finalement je l'ai rencontré j'ai rencontré dans une convention euh, à travers ce métier donc si j'avais jamais fait ça ben bah, j'aurais jamais rencontré magnifique moi. magnifique très classe franchement très très classe je pense que ça résume un petit <laughs> peu euh, cette heure et demie qu'on vient de passer et je te remercie encore sincèrement d'avoir accepté de venir et, ben, merci beaucoup et vraiment je, bah, ouais, regardez, -les, regardez les regardez les comment ils sont beaux comment ils sont gentils <laughs> on parlait un petit peu de, de ce côté euh, très euh, spontané de la, de la chaleur et, et des messages euh, véhiculés par le chat et je trouve que en une heure et demie on a Plein de points, et je suis très content qu'on ait pu faire cette émission. Et franchement, pour ça, je te remercie. Merci, ben, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère également que vous avez ressenti un petit peu euh, ce qu'on a pu euh, faire, ce qu'on a pu vous proposer. Que vous avez en tout cas apprécié pour ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, je sais, vous aimez bien. Vous arrivez au bout d'une heure 20, vous êtes là, ah, c'est euh, fini. Non, non. Vous inquiétez pas, la VOD elle sort très vite sur YouTube. Elle sera avant 21h sur YouTube, donc euh, regardez, hop, vous aurez gratuitement et vous pourrez vous faire plaisir. Euh, et ça, c'est cool. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, euh, Zakorolib, la semaine prochaine, je prends des vacances. Voilà, je prends une petite semaine histoire de... De recharger les batteries et bien finir cette fin de saison. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez des noms que vous, euh, vous aimeriez voir, j'enverrai euh, des tas de messages pour clore euh, correctement. Zach en c'est terminé pour cette semaine. On vous remercie. On se retrouve du coup dans deux semaines. Je vous ferai des annonces de qui viendra, qui ne viendra pas. Je vous dirai qu'il y aura en avril et compagnie. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Ciao, ciao.